Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En réalité, c'est simple, nous savons maintenant indubitablement que la manière dont nous avons vécu, la manière capitaliste, mène au désastre général. Par conséquent, nous devons en changer entièrement. Bon, c'est un programme euh, ambitieux que nous propose Frédéric Lordon dans son dernier bouquin. Euh, mais je me suis dit, allez, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais le découvrir avec vous. Alors je sais qu'il est constitué en partie d'articles parus sur son blog La Pompe à Finance. <laughs> Donc il y a des parties qu'on a déjà... Enfin, euh, que j'ai déjà lues. Et que, euh, on a peut-être déjà lues euh, en live aussi. Parce que je sais qu'on a lu des bouts. Il euh, y a des trucs qui étaient parus pendant le, euh, le, le premier confinement. Des voilà, les réflexions qui s'étaient faites. Euh. Alors je vous lis le, le dos, hein, le, la quatrième de couverture. Le capitalisme détruit les existences. Il les détruit même deux fois. D'abord d'angoisse et de précarité en remettant la survie matérielle des individus aux mains de deux maîtres fous, le marché et l'emploi. Ensuite en rendant la planète inhabitable, surchauffée, asphyxiante et désormais pandémique. Il faut regarder ces faits on bien ça. en face et s'astreindre maintenant à un exercice de conséquences. Petit 1, le capitalisme met en péril l'espèce humaine. Petit 2. En 40 ans de néolibéralisme, l'espace social-démocrate où se négociaient des aménagements dans le capitalisme a été fermé. Il ne reste plus que l'alternative de l'aggravation ou du renversement. Petit 3. Il ne faut pas douter que la minorité qui en tire avantage soit prête à tout pour se maintenir. Petit 4. Sortir du capitalisme a un nom. Communisme. Mais sortir du capitalisme demeure un impensable tant que le communisme demeure un infigurable. Car le communisme ne peut pas être désirable seulement de ce que le capitalisme en devient odieux. Il doit l'être pour lui-même. Or, pour l'être, il doit se donner à voir, à imaginer, bref, se donner des figures. La fatalité historique du communisme est de n'avoir jamais eu ça et ça pourtant d'avoir été grévé d'images désastreuses. De, de n'avoir jamais eu lieu, à la place desquels il faut mettre enfin des images de ce qu'il pourrait être lui, réellement. Le communisme, donc. Voilà. Le bouquin, c'est ça. Figure du communisme. Je me suis demandé, alors voilà, évidemment, c'est en forme de d'after de, à, à ce que nous a fait euh, Bolshevik en invitant euh, Philippe Poutou. Ça va de soi, hein, c'est lié. Je me suis dit, allez, on va continuer la soirée, on va proposer un after même si euh, j'ai pas lancé le truc euh, c'est pas que je cherchais le raid ou euh, je sais pas quoi ou je cherchais à capter c'est que moi-même euh, j'avais envie de continuer un petit peu cette soirée c'est le c'est euh, comment dirais-je dans le voilà c'est la c'est la c'est la gauchosphère organisée qui sait s'organiser pour créer des petites soirées voilà soirée coco exactement alors je vais remercier les gens qu'on sub entre-temps il y a une question que je me suis posée, c'est est-ce que cette caméra sert à grand chose, ou est-ce que je la couperais pas tout simplement pour faire de la... pour faire de l'audio, je me sentirais peut-être plus euh, plus plus à l'aise. Hein C'est de la synergie, voilà, c'est de, de la synergie. Euh, alors je vais remercier les gens qu'on sub du coup ce soir là entre temps, on va garder ça à jour. Il euh, y a 3 minutes, il y, y a 8 minutes, quelle folle soirée. Alors attendez, je remonte un peu. L'arpent il y a 8 heures, voilà, même. Marshall, Marshall il y a, il y a 7 h Red Maro il y a 12 minutes. Voilà merci Red Maro, merci. X Vegan Kazan X. Donc Vegan Kazan on va dire. Merci Koryuki qui dit tunnel de gauche pour m'accompagner à l'atelier. Parfait en effet. Euh, merci euh, Keraon qui dit quelle bonne soirée. Merci... Banana Nestor, Mi 074, toujours plus de gauche, ouais, dit-il. Merci euh, MeloCake qui a fait un petit peu avancer le train de live, j'imagine, avec le beat. Et puis Adel merci à toi aussi. Merci croûte de genoux, euh, Soda Artist et euh, Snunups, Spunups, ouais, salon. Salon, salon, salon. Spunups qui dit paix et amour sur tous les streams de gauche. Et merci enfin à Burl Burlburid, bur, 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 Burl Buried. Qui dit vive le communisme, merci New Order FR. Salaud 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 Wari Blanket aussi, qui a offert 5 abonnements. Merci à toi, Wary Blanket. Pendant qu'on y est, pendant que je regarde là, mais j'entendrai je, vos, vos salauds. La fachosphère est bien organisée, pourquoi pas la gauche gauchosphère Est-ce qu'on est vraiment organisé Salaud 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 Fan de Maudit, sûrement présent ici. Y a-t-il eu une soirée de lecture sciences sociales Oui, Maudit a continué sa soirée, a continué à lire sur le, le FN, l'engagement militant au Front National. Son bouquin de, 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 de sociaux, elle a même diffusé des extraits du documentaire La cravate. Donc euh, c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai, je l'ai vu ce docu. Je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti. C'était euh, voilà, il y avait beaucoup de bonnes choses dedans. Euh, même si est critiquable sur certains points, mais enfin qui est incritiquable, je ne sais pas. Euh, mais voilà, allez voir euh, ce docu euh, et allez voir euh, ce que dit euh, maudit dessus. Vous pouvez aller sur sa chaîne. Euh, et regardez les replays C'est qui Maudit Ben Maudit c'est Maudit euh, voilà, Vous pouvez mettre peut-être dans le, dans le chat Le nom de la chaîne de Maudit Et euh, voilà c'était pas mal Philippe Poutou hein Poutou est incriticable. Non je parlais pas de Poutou qui était critiquable euh... J'ai cru qu'on parlait d'un fan de Maudit En Inde, ah non de Narendra Maudit Non non c'était pas Maudit euh, de Narendra Maudit Non 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 c'était le dernier stream de sciences sociales sur le FN. En effet, elle va passer à d'autres choses, elle a dit, peut-être plus des trucs en conséquence, peut-être plus des trucs en lien avec le corps, l'identité, je sais plus ce qu'elle disait. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci nold 753. Aime le maudit. Bon voilà, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de d'images ou est-ce qu'on peut s'en dispenser euh à peu de frais Voilà, je remplacerai euh, euh, ouais, non, sinon c'est chiant, ça va être bizarre. Enlève la vidéo si tu le sens pas. En plus, c'est écolo. Ah ouais. Bon. T'inquiète, Lee. Je me... bah, allez, je vous montre Mémé quand même parce qu'elle m'est grimpé dessus à l'instant. Ah, ça, c'est Mémé. Elle est contente d'être là. T'es contente d'être là On sait pas. On sait pas. Euh, donc, on va commencer par le prologue, peut-être. Voilà, de ce bouquin, vous avez sans doute vu. Il y a un entretien déjà de lui. Euh... Chez euh, le média, je sais plus avec qui il est d'ailleurs. Je sais plus, des... plus qu'il a reçu pour le média, mais il y a un entretien d'une heure et quelques pour le média. Sinon, film juste mémé Oui, voilà. Très bonne interview de Lordon à propos de son dernier livre. Ben, on va aller plus en profondeur que ce qu'on pourrait dire en une heure, vu qu'on va peut-être essayer d'y consacrer un peu plus de temps que ça. Bien que je ne pense pas aller au-delà de minuit et demi, une heure du mat max, hein, un truc comme ça. <coughs> ah, c'est Julien Thierry, oui, c'est vrai, c'est Julien Thierry. Euh, audio seulement me convient. Oui, mais après, ça va faire bizarre, ça va faire moche. En fait, j'ai changé d'avis. Finalement, je veux pas audio only. Alors, commençons. Donc, vous voyez, voyez le prologue. Euh, je vous ai lu le tout début. En réalité, c'est simple. Nous savons maintenant indubitablement que la manière dont nous avons vécu, la manière capitaliste, mène au désastre général. Par conséquent, nous devons en changer entièrement. Je vais couper la musique. Et on va pouvoir. Commencez la lecture dans le calme, c'est le soir, tout le monde est un peu fatigué. Euh, tout le monde est un peu fatigué, moi aussi, hein, d'ailleurs, mais bon. Je fais ça pour bon, changer les idées, aussi. Alors, petit 1. C'est le petit 1 du prologue. Hein. On commence du tout début, on, joue, on, joue, on lit comme, euh, comme vous auriez lu en ouvrant le truc. Il fallait sans doute la catastrophe pour fermer la longue parenthèse de la préhistoire, celle du développement matériel. Le malheur ne sera pas venu pour rien s'il nous fait entrer enfin dans l'histoire, celle du développement humain. La vie commune doit donc être refaite de fond en comble. Vous voyez la distinction. Hein pour lui, la préhistoire. Alors d'habitude, on dit que la préhistoire, c'est le moment où on n'a pas l'écriture et où on n'a pas de trace écrite. Normalement, c'est là où on fait démarrer l'histoire et là où s'arrête la préhistoire. Pour lui, il dit la préhistoire, c'est ce moment du développement matériel. Là, en effet, l'humanité, tant qu'elle a pu. À consacrer énormément d'énergie à développer les forces productives, à assurer, de, de, de sorte à assurer les conditions de sa survie matérielle. Mais elle est allée si loin que finalement, elle en vient à, le développement des forces productives en vient à menacer les conditions matérielles d'existence sur cette planète. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de dire, bon, ça c'est fait, et le capitalisme n'a pas été inutile dans ce développement des forces productives Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps de dire bon ça c'est fait, on a assuré la survie du, du foyer, si vous voulez, il y a une maison, il y a un toit, il y a du chauffage, euh, il, y a de, il y a de quoi bouffer. Comment, comment... maintenant pourquoi on est là, pourquoi on vit Est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer dans le moment où l'humanité un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus informée euh, Merci euh, à Aurélia 82. Est-ce qu'on n'en est pas voilà, dans ce moment où il faut qu'on repense ensemble collectivement qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on est là, comment on vit bien, comment on vit mieux euh, comment on vit ensemble Voilà toutes ces questions, évidemment très très politiques. Euh, on peut se les poser maintenant, peut-être même avec d'autant plus de sérénité que la question euh, du développement matériel semble largement euh, résolue. Hein, on produit plus de bouffe que ce qu'on en consomme, on produit plus de... On n'est pas dans un... On n'a pas de problème de production, on a un problème de répartition. Voilà. Et on a un problème de surproduction même. Les individus qui ont régné pendant la préhistoire continuent d'avoir droit de citer, les capitalistes donc. Nous les, regardons comme des nous, nous les regarderons comme des curiosités empêcherons fermement les récalcitrants de nuire, puisque, puisque ce que nous devons faire est à l'opposé de ce qu'ils ont si longtemps proposé. Ce qu'ils ont si longtemps proposé, c'est asservir l'humanité au bénéfice du développement des forces productives. Regardez, le capitalisme, ça marche. On Alors oui, oui, d'accord, ça crée des inégalités, ça crée des oppressions, ça crée des... Mais, <coughs> regardez, ça marche, il y a de la croissance. Que les sociétés de la préhistoire aient pu faire du développement des accumulations monétaires leur unique horizon, offre contre elles par soi le plus terrible des réquisitoires. Ce qui veut dire, c'est que si le seul but d'une société... C'est ça Est-ce que c'est vraiment un but Est-ce que c'est pas. Voilà. Si la chose la plus intéressante à penser est en fait un impensé, parce que la seule chose à laquelle on pense, c'est le développement continu de la, de, des forces productives et donc de la croissance, une société humaine hiérarchise ses priorités tout autrement, selon un ordre logique pour la raison, même si bien sûr tout est solidaire et dans la pratique se donne d'un seul ensemble. Petit 2. Viennent en premier les exigences de la conservation de la vie. Pour bien vivre, il faut d'abord vivre bien. Il s'ensuit que le système général de la santé vient en haut dans l'ordre logique. Des choses desquelles on doit se préoccuper. Par système. Pardon, rototo, Par système de santé, il ne faut pas seulement entendre les institutions du soin médical. Mais l'ensemble des pratiques concourant à l'entretien et au bien-être du corps. Ces pratiques supposent la diffusion par l'éducation, le partage des expériences et le temps de s'y adonner. Comment restons-nous en bonne santé Le capitalisme a certes développé une magnifique industrie pharmaceutique, mais il nous a aussi rendu très malades, beaucoup, euh, beaucoup malades, de, de plein de manières différentes, euh, des, des maladies, voilà, le, la pollution du sol, des airs, de, et, euh, et aussi psychologiquement, on subit de, de lourds dégâts avec toutes ces injonctions. Il a fait de nous des dépressifs sous Médoc, le capitalisme. Est-ce que c'est ça la santé Il suit également que dans la conservation des vies humaines, il entre décisivement la plus grande considération pour les existences non humaines. Seule la folie de nous croire comme un empire dans l'empire a pu nous faire oublier que nous ne sommes pas suffisants et que nous avons besoin des autres. Au minimum, d'organiser notre symbiose en leur compagnie, par conséquent, de vivre intelligemment avec eux. Merci, lady Cassidy. Bon, les animaux, voilà. Il faudrait peut-être aussi organiser notre rapport aux animaux qui n'est pas très sain. Hein la pandémie, là, en ce moment, nous, nous, nous le rappelle. Il suit également. Non, ça, on l'a déjà dit. Les formes nouvelles de l'agriculture entrent dans cette intelligence. La médecine, les pratiques du corps, les attentions de la symbiose et l'agriculture sont les institutions de la santé humaine. Il met le manger dedans aussi. Mais est-ce qu'on ne mange pas des trucs aussi qui nous rendent malades Petit 3. Pour autant, il n'y a pas de santé possible dans l'inquiétude matérielle. La deuxième priorité logique est celle qui soustrait également les individus aux hantises de l'avenir, servitude mentale qui fait les servitudes politiques. Nul ne doit plus redouter. Sommes-nous vraiment libres Sommes-nous vraiment libres de choisir notre vie, de choisir notre vie collectivement aussi, si nous vivons dans la peur Et Le capitalisme est un système qui repose sur la peur, la peur de manquer, la peur... Euh, de ne pas voir aussi l'avenir. Le capitalisme ne prévoit qu'assez peu ce qui va se passer. Il faut, vous connaissez l'injonction, il faut s'adapter. Donc il va se passer des trucs, on s'adapte, le capitalisme s'adapte. Euh, mais nous, est-ce qu'on est fait pour s'adapter en permanence Est-ce est que ça ne crée pas chez nous des, 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 des angoisses, de véritables angoisses, une incapacité à se projeter si le, si le travail social ne peut être que divisé, il est impensable que quiconque ait à craindre pour accéder à tout le nécessaire. Et on parle de subsister aussi. Est-ce que les individus, euh, il faut qu'ils aient peur de manquer, de, de, de peur de bouffe, quoi. de peur de manquer de logement, de vivre dans cette peur-là. Bon, il y, a, y, a, y a un, euh, voilà, la société sortie de la préhistoire vise par l'organisation collective et à toutes les échelles la plus grande stabilisation possible des conditions d'existence matérielle des individus. Très bien. Nul ne doit dépendre pour sa vie d'un intermédiaire versatile, souverain et tyran, que ce soit sous la forme de l'employeur ou celle du marché. Aussi revient-il à la société entière de garantir inconditionnellement à chacun l'accès aux moyens socialement déterminés de la tranquillité matérielle. Si l'on veut tenir ce nécessaire pour un minimum, le maximum devra être rigoureusement borné. Donc euh, voilà. Si on veut pouvoir donner à tout le monde, il ne faut pas qu'il y en ait certains qui se gavent. En gros, c'est ce que ça dit, hein, tout simplement. Merci les modos. Ah oui, il y avait des, il y avait des débilos. Oui, j'en ai, ai vu un débarquer avec une, une question sur Staline direct. Je me dis, ça, c'est quelqu'un qui connaît pas un petit peu. Le, qui sait pas se tenir. Ça doit être un débilos. La propriété privée n'aura plus de jouissance que d'usage. Son exploitation à des fins de mise en valeur appartient à la préhistoire, elle y restera définitivement. Son exploitation à des fins de mise en valeur, hein, vous voyez l'idée, c'est-à-dire que le, la propriété privée, quand elle n'existe plus que pour produire de la valeur pour des individus privés, elle ne remplit pas ses fonctions déjà d'utilité collective, euh, et elle conduit même les individus à des comportements nocifs pour l'ensemble de la société, l'accaparement, l'usure, etc. Le désastre que nous aura appris, que, parce que surtout si on fait un marché avec ces choses-là, vous, vous doutez bien. Pour qu'il y ait un marché du logement, euh, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la rareté. C'est la rareté qui crée la valeur. Donc le marché organise la rareté. Et donc euh, du coup, est-ce qu'on a intérêt sur des questions aussi essentielles que les besoins primaires à ce qui est vraiment un marché? Si le marché se nourrit de la rareté. Le désastre nous aura appris que la hiérarchie préhistorique des importants marchait sur la tête. Les réputés premiers étaient des boulets, inutiles au mieux, nuisibles le plus souvent. La société ne tenait en fait que par ceux qu'elle considérait comme ses subalternes. La division du travail refaite en vue de l'élimination des boulets, la société identifiera clairement ceux à qui elle doit le plus et les traitera en conséquence. L'opposition voilà, entre les parasites qui vivent de leur titre de, de, de possession, leur propriété privée, et qui se les transmettent en plus familialement, de décennie en décennie, au sein de la famille. Donc une belle case de parasites, tout le monde on nous vend le mérite, etc. Mais enfin, on sait bien que ça s'organise plus comme ça depuis longtemps, ou alors dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Euh, et, euh, et ceux à qui on doit le plus, évidemment, bah, dès qu'on a, qu a été confiné, on a bien vu l'utilité de ces travailleurs dits de première ligne. Qu'il s'agisse du système de santé ou même de la logistique pour acheminer jusque chez vous de la bouffe, et puis les agriculteurs, et puis etc. Les titres. Petit 4. Petit 4. Les titres de la santé et de l'existence matérielle ne sont que les prérequis à la fin véritable de la vie commune. Alors, quelle est la fin, le but La fin, il faut l'entendre comme le but. Quel est le but véritable de la vie commune Le développement des puissances créatrices de tous. Tous et toutes, on pourrait rajouter. L'accès élargi et permanent au plus grand nombre de savoirs possibles. Parce que vous vous rendez bien compte hein, que, en effet, on peut devenir ce qu'on veut si un certain nombre de conditions sont, sont remplies à la base. Euh, C'est pas pour rien que beaucoup d'enfants de bourgeois euh, vont en fait euh, créer euh, l'art de demain, euh, la pensée de demain. Eux, ils peuvent s'accomplir. Eux, ils peuvent aller euh, développer leur puissance créatrice. Parce que tous leurs besoins sont. Et pendant ce temps-là, nous, on est condamnés à des vies dans lesquelles nous ne faisons qu'essayer de subsister. Reproduire nos conditions matérielles d'existence, le développement des puissances créatrices de quelques-uns est permis par le capitalisme. Pas de tous. Nous on voudrait de tous. Parce que ce serait mieux. Pas seulement d'un point de vue justice sociale. Mais même d'un point de vue d'une... Merci. Euh, CHRL 17. Même d'un point de vue de... de, de j'ai envie de dire efficace, c'est mieux si tout le monde peut faire de son mieux, aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire et de ses potentialités, vous imaginez les, les choses extraordinaires. Moi je dis souvent ce serait une renaissance. Ce serait une renaissance si on avait justement nos conditions matérielles d'existence qui étaient euh, assurées. Une renaissance dans le sens où... Euh, euh, voilà, de la même manière que si les Grecs ont pu faire de la philosophie, c'est parce qu'ils avaient des esclaves. Donc que leurs conditions matérielles d'existence étaient reproduites par l'exploitation du travail des autres, et c'est comme ça que procèdent aussi les capitalistes. Donc le communisme, c'est ce moment où tout le monde peut aller au bout de ses potentialités, mais ça veut dire aussi que tout le monde doit concourir au vrai travail, au vrai travail d'utilité générale, d'utilité euh, voilà de, de la reproduction euh, matérielle. C'est un petit peu ça le communisme. Soyons égaux. Il n'y a pas d'un côté les jouisseurs et de l'autre côté euh, euh, ceux qui sont à la peine. Les jouisseurs qui peuvent se développer et puis les autres qui bossent. Et si tu te faisais une frange? T'en peux plus de mon gros front, euh, flagships. C'est ça? Vous voyez, voyez pourquoi je voulais couper la cam? Vous êtes désobligeant Parfois vous êtes désobligeant Permettez-moi de vous le dire. Donc, l'accès élargi et permanent. Au plus grand nombre de savoirs possibles, pour le plus grand nombre d'individus possibles, entre d'évidence dans la société du développement humain. Quiconque cultive son esprit tente ipso facto, parce que j'ai parlé d'art et de création, mais on peut parler de science aussi, quiconque cultive son esprit tente ipso facto à cultiver celui des autres. Il est par là utile à la société et encouragé par elle. Si l'on donne, si si donne à cet accès le nom général d'éducation, toutes les formes en seront développées au titre de priorité de la vie sociale. Éducation scolaire, populaire, associative, autonome, etc. Tous les domaines aussi. Les médias, instruments de servitude, de conformisme et d'abêtissement dans la société antérieure, sauf bien sûr d'excellentes chaînes Twitch comme celle que vous suivez et quelques autres, et quelques médias indépendants pour lesquels il convient de s'abonner. Il ne vous en coûtera qu'11 euros par mois. Mediapart, bien entendu. Bon. Les médias, hein, qui étaient des instruments de servitude, des instruments de contrôle, des instruments à créer du, 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 du consentement. voilà. Créer du consentement à des politiques qui ne vont pas dans votre sens. Parce que c'est ça aussi ce qui se passe. Concrètement, il y a des politiques qui sont menées. Vous, vous n'y gagnez pas grand-chose. Non, c'est pas dans le livre. Des fois, je... Hein, J'en je, je, rajoute un petit peu. Je, je fais de... Du, du para, de la paraphrase. Euh, Qu'est-ce que je disais Les médias, les médias. Voilà, pour l'instant, les médias créent du consentement. Normalement, si vous êtes sur ce stream, vous savez à peu près comment ça marche, cette idée. Bon, maintenant, les médias hein, devront recevoir une attention particulière dans la société euh, à venir. Hein. Ils seront strictement tenus à la mission inscrite dans leur nom même donner à chacun à connaître de la vie de tous les autres et de la collectivité et des autres collectivités. C'est-à-dire informer, rendre compte de ce qui se passe. Ils recevront au surplus celle de rendre compte de toutes les idées et de toutes les créations, hors la subordination à quelques pouvoirs constitués. Il faut des médias les plus libres possibles, donc hors la subordination à quelques pouvoirs constitués. Et là, il entend le pouvoir capitaliste, bon, qui, ne, qui ne sera plus, évidemment, ça va de soi. Merci, Fistulax. Mais il pense aussi au pouvoir politique. Hein, il faut pas la Pravda non plus. On ne veut pas la Pravda, on veut une liberté, y compris de voilà, n'importe qui, de, de rendre compte euh, du réel, de pouvoir fonder son petit journal, son petit média en ligne, etc. Les éducations, les médias, les lieux de création sont les institutions du développement humain. La préhistoire matérielle avait situé le sens de la vie dans le niveau de la jouissance monétaire, l'histoire humaine. Le met dans les possibilités de la libre production des mains et de l'esprit. Elle remplace l'argent par l'œuvre, en donnant la plus grande extension possible aux mots, donc sans qu'il entraîne quelques conditions ni d'abstraction ni de postérité, sans qu'il exclue non plus. La société humaine se jugera elle-même à ses œuvres. Et il n'y a pas que l'art hein, là-dedans, il n'y a pas que l'art évidemment. Il y a la connaissance aussi, l'éducation, etc. Coda » Des principes n'ont d'autre de, non force que celle de l'encre sur le papier. Pour qu'ils deviennent l'être vive, il faut, avait dit un éclaireur, qu'ils s'emparent du grand nombre. Bon, maintenant, il va falloir dire ça aux gens. Il faut admettre qu'il est de la nature des déclarations de principes de rester muettes quant aux conditions de réalisation de ces principes. Comment on fait Elles omettent beaucoup de choses et ne disent rien non plus des détails. C'est une autre faiblesse, les grandes déclarations de principes, hein, on parle de ça. Comment on fait C'est bien de déclarer des grands principes, de déclarer, bon, ça, c'était la préhistoire, on va rentrer dans l'histoire, très bien. Bon, c'est facile. Euh, mais, mine de rien, c'est quand même une force, nous dit Frédéric Lordon. D'abord, parce que c'est une invitation à la contribution de tous, de chacun selon ses savoirs, à la collectivité, selon ça son on, désir ça politique. Ça oh là, la gaillarde, merci. Oh Brive la gaillarde. Euh, merci, Navis. Ensuite, parce que, sans doute, le cheminement se fabrique-t-il en cheminant Il n'y a pas de plan tout écrit mais il faut déjà commencer à bon et émettre le projet et dire voilà. Merci pour tes lives, pour ton taf en général, continue la lutte camarade, merci. de chaska Cependant, vouloir aller ailleurs, si c'est aujourd'hui une nécessité de sauvegarde, ne se fit pas en soi. On ne va pas nulle part sans s'être fait avant une idée de la destination et c'est vrai et c'est vrai et c'est vrai que a on passe pas assez de temps, il a raison Lordon là-dedans. Moi je pense que sur tout ce que j'ai fait euh, en vidéo depuis euh, des années, euh, j'ai fait qu'une vidéo qui disait vers où on pourrait vraiment aller. C'est la vidéo sur le salaire à vie. Et euh, c'est bel et bien en se basant sur les travaux de Bernard Friot que Frédéric Lordon se permet d'imaginer ce communisme qui vient, qui viendra, qui est souhaitable, en tout cas, il ne suffit pas de dire qu'il est indispensable à notre survie puisque le capitalisme nous détruit, euh, pour qu'il advienne tel quel. Il, faut, euh... il va falloir commencer à réfléchir, il va falloir qu'on soit à l'attaque aussi un petit peu, parce que les fachos savent très bien d'où ils vont, ils savent très bien où ils vont par exemple, ils savent très bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ça change pas beaucoup de la société de maintenance, c'est toujours une société d'exploitation, donc ça ne demande pas un effort extraordinaire. Merci docteur Moineau. Nous, ça demande un effort, notre truc. Bon, bah prenons le temps de, 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 de savourer, voilà. Il y a quelqu'un qui dit il est savoureux à lire l'ordon. Ouais, 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 bah ça dépend pour qui, mais pour nous on va dire, on va dire que oui. Putain, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah oui, je bois un truc chaud. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, je vais me rouler une clope, puis je vais vous demander dans le chat. Euh, et vous, c'est quoi votre communisme Qu'est-ce que vous. Euh, avant qu'on se lance là-dedans vous voyez quoi dans le communisme parce que moi je veux vous dire là, là ce qu'il a dit là au début là le communisme c'est le moment où le développement arrête d'être une fin en soi c'est bon c'est développé. Euh, vous voyez bien que bon, ça, ça, ça ne cadre pas avec ce qui s'est passé en URSS. Hein. L'URSS a justement été omnubilé par le développement de ses forces productives. Il fallait absolument pas se laisser dépasser par les États-Unis. Euh, la Chine populaire, pareil, c'était un, un, un pays vraiment arriéré. Quand Mao prend le pouvoir, c'est-à-dire c'est que des paysans, il y a rien. C'est même un, un pays. C'était le tiers monde. C'était une petite. C'était même pas une puissance. C'était même pas une puissance. C'était vraiment un grand territoire, certes, mais euh, c'était un pays sous-développé. Voilà. Euh, donc, euh, les communismes réels, les, les tentatives de communisme réel dans le, dans, le, dans le monde se sont heurtées à la question du développement des forces productives. Et, euh, et du coup, eh ben, elles ont créé une, une société euh, dans laquelle l'exploitation, au lieu d'être réalisée par les capitalistes, euh, était réalisée par l'État, si vous voulez. Et ils ont envoyé, comme les capitalistes pouvaient le faire, des gens mourir à la tâche, des gens euh, euh, voilà, se tuer dans les champs, se tuer dans les usines, se tuer à la guerre. Parce qu'il y avait aussi ce problème de « Eh ben c'était peut-être trop tôt, si ça se trouve. C'était peut-être trop tôt, précisément. » C'est ce que certains disaient, hein, c'est ce que certains communistes disaient déjà à l'époque, quand, quand ils ont vu la, la révolution en, en 1917, ils se sont dit « Waouh !»« Mais attendez, ils sont pas prêts, les Russes Ils sont pas prêts Ils, ils sortent d'un truc... Il n'y a, a même pas le développement d'une société civile digne de ce nom pour, pour pouvoir faire euh, de la vie politique !» Une vie politique, tu la fais pas avec trois paysans et, et, et un tsar déchu. Il faut, il, faut, il faut une société civile, il faut des intellectuels, il faut une éducation. il faut... Bon, bah là, évidemment, ça ne se gouverne pas pareil, ce genre de société. Merci, Lub euh, Terheim, qui dit soutien au contenu de gauche de qualité, même quand c'est des lectures de caresses astratégiques. Astratégiques. Ah oui, astratégiques qui manquent de stratégie. C'est ça que tu veux dire. Alors, qu'est-ce que vous me dites mm -hmm, mm -hmm. On est minoritaire, va bien falloir se rendre compte et trouver un moyen de parler à tout le monde. Sauf que si ce qu'on fait, c'est se parler entre convaincus. Oui, bah écoutez moi, je n'ai pas les moyens, depuis ma petite chaîne Twitch, de parler à tout le monde. Hein. Moi, je, je parle, déjà, j'ai 1238 personnes pour réfléchir sur le communisme. Moi, je vais faire avec. C'est déjà pas mal. Euh, il y avait déjà des cours là-dessus, il y a 10 ans. Non, alors, attends, là, vous parlez entre vous. Alors, Purple Serotonin me dit... Un, 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 donc, le communisme, c'est un monde simple et calme où il y a de la nature partout, de l'ingénierie partout, mais uniquement avec des artisans, ah, pas des machines. Ah, moi, je pense qu'il faut des machines. Et je pense que Lordon pense aussi qu'il faut des machines. Il va falloir des machines. On peut pas... Euh, parce qu'il s'agit aussi de rester quand même... On ne va pas abandonner le confort que nous a donné le, capi le capitalisme. Ce n'est pas, pas pour ça qu'on en veut au capitalisme. Ce n'est pas parce qu'il nous produit des, 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 pas parce nous produit des, des objets euh, usinés... Bah euh, nous... ben Non, ce n'est pas, pas, pas ça le problème avec le capitalisme. C'est l'exploitation. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des robots. Je pas envie non plus qu'on retourne au Moyen-Âge avec des guildes d'artisans et de je sais pas quoi. Il euh, y a des pays où un vrai communisme a marché, genre pas l'URSS, le Chili d'Alende, un peu, mais genre il y a autre chose qui a marché quelque part. Mais vous voyez bien que si on prend ce paradigme-là, euh, c'est plus tellement la question. Il y a eu des tentatives de société qui ne soient pas dirigée par les capitalistes, mais qui soient dirigée par euh, un parti politique qui est censé représenter les intérêts du peuple. Voilà, bon, ce parti politique, hégémonique, euh, dirige la production comme il peut, euh, bon, est-ce que c'est ça le communisme Ou est-ce que le communisme, il n'a pas encore vraiment advenu, parce qu'il y avait beaucoup de conditions nécessaires pour faire ce genre de société ambitieuse, c'est ambitieux comme programme, de dire, putain, le développement des forces intellectuelles de chacun, est-ce que t'as l'impression, même s'il y a des touches de ça, il y a des touches de ça, hein, ça jusqu'en URSS, hein, l'accès à l'éducation, euh, l'accès à l'art, mais bon si l'éducation, l'art, l'information sont subordonnés à l'État, hein, c'est pas vraiment ce que peut faire de mieux le communisme, loin de là. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir penser. Donc les petits communismes qui ont essayé et qui n'ont pas marché, c'est peut-être peut pas le moment, on n'était peut-être pas prêt, voilà, il y avait. Mais peut-être que là, maintenant que c'est l'urgence, il va falloir qu'on soit prêt à nouveau. Et qu'on se dise, ok, la dernière fois on a foiré, on n'était pas prêt, on a fait n'importe quoi. Euh, mais là, on est quand même vachement plus prêt. Même si on n'a pas tout tout pensé, voilà, on va, comme il le dit, hein, le, chemi, le chemin, on va le trouver en cheminant. Mais tout de même, on est quand même vachement plus mûr. On est vachement plus mûr. Les taux d'alphabétisation sont très élevés, euh, et surtout, on a quasiment assuré notre reproduction matérielle. Le niveau de développement technologique est très élevé. Euh, on va pouvoir y aller, quoi. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir l'offrir la prospérité pour tous. Sur le communisme, faut pas que ce soit euh, le, faut pas que ce soit le. le, le, le... Le... Merde, le... La pénurie pour tous. faut que ce soit la prospérité pour tous. Un retour à la commune. Alors je vois des discussions bière-clop à n'en plus finir entre voisins le soir où on se demande ce qu'on a envie de faire pour le lendemain. Oui. La régulation des besoins à l'échelle locale et globale, une meilleure répartition des besoins à grande échelle et une réflexion globale pour gérer les flux. En gros, plus de trains, plus de le train. Oui, bon ça, d'accord, ok, très bien. Euh... Le communisme de la post-croissance. Bah, vous voyez bien que oui, dans, dans cette société-là, le problème de la croissance euh, euh, n'est plus un problème, en tout cas ce n'est plus un but, en effet, la post-croissance. La croissance, c'est un but de capitaliste. Nous, on a juste besoin que le développement des forces productives euh, soit euh, en rapport avec le développement des populations. J'ai lu aujourd'hui, tiens, que d'ici, euh, je sais plus, 45 ans ou d'ici 2045, là, la manière dont on se développe, là, euh, fait qu'on aura un taux de fertilité euh, vraiment ridicule. On risque de même peiner à renouveler les populations avec notre petit sperme rabougri. Donc, la décroissance va arriver peut-être aussi de là, hein, de ce qu'on sera malade des couilles. Ce serait intéressant de lire les communistes de l'époque qui pensaient que c'était trop tôt. Salaud salaud, salaud. Replay demain, euh, il est un peu tard, il est un peu tard, bonne soirée à tous, merci, hop frappe. Mais écoutez, on va déjà lire les communistes d'aujourd'hui, parce que c'est ça le, le problème aussi avec, euh, avec cette culture de gauche, c'est qu'on est là à relire les vieux textes, à faire des, des, euh, des notes de bas de page sur des, des, des notes de Marx qu'il avait pris sur la commune, et puis machin. Alors, faut des infrastructures, oui, ça je suis d'accord. Machine, sauf quand ça supprime la notion de plaisir dans la tâche. Bah je sais pas, je sais pas, plusieurs dans la tâche, il y a des gens où il y a des, des voilà, euh, en fait, on va pas imposer quoi que ce soit. Il faut des machines pour produire des chaises parce qu'on a besoin de plein de chaises. Après ça empêche pas qu'il y ait des gens qui ont envie de produire des chaises à côté un petit peu différemment, faut qu'ils puissent le faire, faut qu'ils aient le temps de le faire, le loisir de le faire, j'ai envie de dire. Cinq piges que je fais des études d'art et cinq piges qu'on essaye d'imaginer des manières de trouver des chemins alternatifs qui ne se compromettent pas avec le capitalisme. C'est dans l'entourage de Frio et Lordon qu'on trouve des solutions formelles pour organiser les métiers de l'art et ça donne du courage. Oui, vous aviez peut-être lu. D'ailleurs, je pense que c'est un chapitre de, de ce bouquin-là euh, sur le communisme luxueux. Il faut compromettre la prospérité. Il faut compromettre même le luxe. C'est pas parce que ce sera le communisme qu'il n'y aura plus de téléphone portable. Par contre, quand ce sera le communisme, faut qu'on dise, voilà, faut qu'on dise, vous aurez la 5G, vous aurez le téléphone portable, il sera produit dans de meilleures conditions, donc vous le remplacerez peut-être pas tous les ans, mais vous l'aurez. Et puis surtout, ce ne sera pas rempli d'applis qui vont euh, vampiriser vos données, euh, faire des, 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 des thunes et des thunes euh, dans la poche à Jeff Bezos, à... voilà. On va moins vous niquer, en fait. Ce ne sera plus une société qui est faite pour vous niquer, en permanence, au profit de quelques-uns. Pourquoi le communisme serait souhaitable lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé en Chine, en URSS Bah, tu regarderas le début du live, abonne-toi, hésite pas, on y reviendra. Euh... La commune, ouais. Comment peut-on décrire une utopie dans un chat Franchement, oui, d'accord. Bon, ok. L'entrepreneuriat fait-il partie de la créativité dans ton communisme Mais bien sûr. Mais l'entrepreneuriat, c'est quoi L'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui dit j'ai un projet, je veux faire ça. Bon, bah, tu entreprends ton projet. Aujourd'hui, il s'est chargé de valeurs capitalistes. Je veux faire ça parce que je veux faire de la thune. Mais il y a des gens qui ont des envies, des projets, euh, des idées, qui ne sont pas motivés par la thune, qui sont motivés parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Tiens, je parlais des chaises. Quelqu'un qui dit Oh, ces chaises toutes pareilles, euh, manufacturées, euh, euh, ces chaises usinées. Euh, moi, j'aimerais bien faire des belles chaises. En plus, c'est ce que j'ai appris à faire. Je sais, je sais manier le bois. Euh, j'en profiterai pour faire des jolies moulures, des dorures, des j'en sais rien. Et c'est ça que j'ai envie de faire en fait de ma vie. Moi j'aime bien passer 5 heures dans l'après-midi à bosser sur une chaise. Et si en plus de ça, à un moment j'arrive à la vendre et que je vois quelqu'un en face de moi euh, qui a l'air content d'avoir ma chaise, et puis mon petit orgueil fait que au bout d'un moment bah, j'emploierai un ou deux, trois personnes pour continuer à faire des chaises parce que bah, ce sera ma marque un petit peu, ce sera mon. Puis notre. Euh, ce sera notre œuvre. Voilà, on parlait d'œuvre un peu plus tôt. C'est ça notre œuvre, c'est ça notre ajout. C'est ça qui va rendre le monde plus ça, beau ça, aussi, c'est d'avoir des belles chaises. Et moi, c'est à ça que je suis bon. Bah, c'est ça un entrepreneur aussi. Quelqu'un qui va faire ça, pas forcément pour le pognon, mais aussi, voilà, pour. Parce qu'il y, re... y a des gratifications qui sont sociales. Aujourd'hui, elles sont toutes médiées par l'argent, mais pas... pas seulement. Regardez, pourquoi les gens. Se lancent dans des TikTok. On en parlait tout à l'heure dans le. Je suis désolé, je fais une digression, mais autant, autant, autant servir du texte comme un support pour discuter entre nous. Euh, y a... TikTok rémunère pas ses créateurs, ou alors il faut faire des partenariats, etc. Et pourtant, tu as des milliers et des milliers de gamins qui se lancent à faire du TikTok. Ils n'ont pas tous l'espoir de, de, de faire ça rentable, que ça finisse par leur, gagner, leur faire gagner leur vie, etc. Non, ils veulent créer des trucs, faire rire, être partagés. Booster un petit peu leur ego, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens entreprennent plein de choses. Donc, dans ce communisme tel qu'on le conçoit, évidemment qu'il y a une place pour l'entrepreneuriat. Entrepreneur... On ne va pas être aux ordres, aux ordres de l'État ou de la collectivité. Alors, on lui doit quelque chose à la collectivité, donc il va peut-être négocier une marge quand même de. Il va peut-être y avoir des trucs à faire. Hein. Mais pour le collectif, pas pour un patron salaud, etc. Pourquoi faut être abonné pour parler Bah je sais pas, t'étais abonné. Euh, je suis désolé, j'ai pris un retard ouf dans le chat. Euh... Attends, 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 je, vais, je, vais, je vais redescendre. Le communisme sans État n'est-il pas un anarchisme non, dans le so non, le communisme, c'est le, le dépassement voilà, de, la, de, la, de la société capitaliste. C'est ce qu'on fait après. Nous, dernier gouvernement... Non, 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 la révolution permanente est-elle dépassée dans les questions actuelles Mais si tu veux lire Trotsky, lisez Trotsky, mais c'est pas, pas le propos. Euh, une des questions, c'est le pari anthropologique sur lequel est basé le bouquin « Les gens font des choses bien ». Comment on argumente ça face aux face « les gens sont des cons » bah, un peu comme je viens de le faire. Les gens font des choses bien, et euh, pas nécessairement pour faire du pognon, d'ailleurs. Euh, sérieux, Cuba sans l'embargo, euh, on, on est pas mal. Oui, on serait déjà un peu mieux. Ouais. Euh, merci, Néarc. Salut. Euh, T'imagines trop Trotsky sur ses mémoires dire Ok, la dernière fois on n'était pas prêt, on a un peu fait limpe. <laughs> merci, Logre aussi qui dit Merci pour ton travail, on a effectivement des intellos OP à penser l'avenir en France, ça fait plaisir. Frio, Todd, Lordon, Stigler, KG, etc. Et tu fais une courroie de transmission du savoir efficace et chouette. Merci pour ça, bah de rien. J'espère comprendre ce que je lis, déjà, c'est déjà pas mal. Euh, on est plus sur un objectif de décroissance, ouais. Le vrai problème du communisme, c'est son nom. Bon, ben, on y reviendra, là-dessus, on y reviendra. Ça rebute, ben oui, c'est pour ça que nous, il faut qu'on lui redonne un peu du lustre. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre manière d'appeler une société post-capitaliste. C'est une société où on fait les choses en commun, où il y a une propriété collective de beaucoup de choses... Euh, et ça s'appelle une société communiste. On peut inventer tous les mots qu'on veut, on peut le rebrander comme on veut. Euh, moi je me souviens, j'avais fait une vidéo avec. Euh, mais peut-être qu'il faut le rebrander, j'en sais rien, mais enfin, le fait est que ça s'appelle du communisme. Communisme, une société en creuset, du lien entre les gens par le commun, mais aussi lien avec le vivant, ouais. Et comme autre finalité que ces liens humains et vivants, l'art, la connaissance, la spiritualité. Oui, 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 tout à fait. Pour la liberté, mais on... Relire Bourdieu, oui, relire Bourdieu. Ce sera l'occasion de niquer. Oui, on pourra niquer aussi, oui. Jacuzzi pour tous, oui. Comment on motive des travailleurs à produire suffisamment pour être compétitifs mondialement sans leur proposer un intéressement en fonction de leur productivité Mais et, et, tu trouves que là, on en est là, là Parce que tu parles des travailleurs, mais en fait, c'est les patrons, là, dont tu parles. Les travailleurs, nous, euh, on n'a pas d'intéressement à notre productivité, hein Salaud. Salaud, salaud. On est on est payé parce qu'on a peur. Nous on est c'est comme ça qu'on est intéressé. On est intéressé parce qu'on a peur de perdre notre boulot et qu'on a peur de plus avoir de quoi bosser. Il y a pas d'histoire d'intéressement à la productivité. Hein. Les soignants là qui se tuent au boulot là, ils le font pour la productivité ou ils le font parce que leur métier a un sens et que c'est pour le collectif. Merci Pépanta ça c'est fait. L'ordon lui-même dit que l'iPhone 25 va falloir oublier et que c'est bien là le gros nœud du problème. Faire changer les désirs. Oui, non, mais lui, il peut dire l'iPhone 25, va falloir l'oublier. Moi, je ne pense pas qu'il va falloir oublier. Alors, l'iPhone 25, peut-être, oui. Mais on aura un téléphone. Un téléphone, la 5G, etc., je pense. Peut-être pas la 5G, mais enfin, on aura un téléphone. Quand il dit l'iPhone 25, c'est. Euh, euh, il prend euh, Apple, qui est vraiment le truc, euh, la petite innovation de merde qui fait que tu passes du 1 au 10, au XS, au XS2, au machin, et il faut à chaque fois être à jour. Ça, c'est débile. Ça, c'est le capitalisme, ça, il faut abandonner. Donc, il n'y aura peut-être pas l'iPhone 25. Mais on aura un téléphone, hein, rassurez-vous. De toute façon, on n'arrivera pas à vendre un communisme dans lequel on n'a plus de téléphone. C faut qu'on puisse le vendre, notre truc, faut que ce soit désirable. Le communisme, c'est un jeu mobile où j'ai pas besoin de payer pour pouvoir en profiter, ouais. Tu veux un bureau avec des moulures Ouais, veux bien un moulure. Ouais. Merci pour ton travail et ton contenu, toujours un plaisir. Le midi ou la nuit, merci Yanislav. Et du coup, il y aura toujours Julien Chaise. Julien Chaise, ok, excellent. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Moi, je fais des chaises aussi, bah voilà. Euh, J'essaie de redescendre le chat. C'est pire, Usul. TikTok, c'est 100% narcissisme. Mais qu'est-ce qu'on appelle narcissisme Narcissisme, c'est aussi être fier de soi. Le développement collectif, c'est pas pour euh, un but en soi, genre il faut euh, nier l'individu. Le développement collectif, c'est une condition au développement des individus. Il faut qu'on soit heureux, il faut qu'on soit développé, il faut qu'on ait confiance en nous. On veut pas des gens qui baissent la tête, on veut des gens qui lèvent, les, qui lèvent le qui bombent le torse. Sur TikTok, les gamins font ça aussi pour, pour bomber le torse. Et ben, bah, c'est pas mal le narcissisme. Moi j'ai rien contre le narcissisme, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des gamins euh, qui soient fiers d'eux, alors que l'école leur tape sur la tête, alors que leurs parents leur tapent sur la tête, alors que la société leur tape sur la tête. Être optimiste. Oui J'ai tellement de retard, pardon. Mais vous écrivez beaucoup là, mais j'espère que vous avez des débats un peu entre vous parce que je peux pas répondre à tout le monde. Merci Rachid 47000. Puis va peut-être falloir continuer le, le livre hein, quand même. Euh, je vais lire que les trucs euh, surlignés là, TikTok, il y a des effets pervers, notamment à cause de l'hypersexualisation. Oui, bah c'est un autre problème. C'est pas la question. Merci euh, Der Lily Briscoe qui me disait j'adore tes digressions sur le texte. On veut des belles chaises avec des moulures, dorures et tout le tralala. Le communisme, moi, ça me fait rêver. Bah voilà. Bah voilà. Bah c'est le but. Euh, Seven Crown qui me dit tu es diablement beau en cette charmante soirée. Oh là là. Bah dis donc si c'est pour me faire flatter alors que j'avais dit que j'allais couper la caméra. Ah vous êtes vraiment de fiefé flagorneur. Hein. De Fieffé flagorneur. La société actuelle tend plus à devenir une société fasciste plutôt que communiste, malheureusement. Ça, c'est les bourgeois qui veulent qu'on en arrive là. C'est pas nous. Nous, on n'y a pas un intérêt fou. Hein. Parce que je suis pas sûr, par exemple, que le fascisme nous aide à gérer la question de, 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 de la planète, par exemple. Voilà. Du, du développement, euh, du réchauffement climatique, etc. Euh, des conditions d'existence qui sont en train de devenir difficiles. TikTok, il y a des trucs méga politiques, nous dit euh, Grégoire Simpson. Oui. En plus. Non, TikTok, c'est pas que du narcissisme, c'est pas plus du narcissisme que Twitch, nous dit Cl Cl Clitch Norris pardon. Euh... Ah, c'est si usul pour la fierté des prolos, voilà. Le narcissisme, c'est une question de dosage. Bah oui, c'est ça. Tu sais, euh, c'est un peu comme les meufs, voilà, c'est un peu comme les mecs qui détestent les meufs qui savent qu'elles sont belles. Pourquoi mais parce qu'ils préfèrent les meufs qui doutent d'elles, les meufs pas bien dans leur peau, les meufs dominées, parce que c'est plus facile de dominer quelqu'un qui est pas bien. Moi je veux des gens qui soient fiers d'eux, qui se trouvent beaux, qui se trouvent talentueux, qui se trouvent bons, et qui. Euh, voilà, et pour ça il faut les aider à devenir talentueux, à devenir bons, à être beaux, être en bonne santé, avoir une bonne éducation, savoir faire de l'art, etc. Merci Julien Dargelos. Et c'est beau aussi les, euh, les, les gens qui sont fiers d'eux. Tu nous vends bien le communisme, ah bah c'est le but, oui. Je pense que les, les penseurs devraient plus mettre le numérique au centre de leurs réflexion, notamment comme outil pour atteindre le communisme avec le, 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 le avec le libre, les fablabs à l'échelle locale, etc. C'est une piste. Moi c'est pas la, ce que je connais le plus. Je veux des leaders, je veux des décideurs. Euh, imagine être bien dans sa peau. Bon c'est bon, j'ai remonté, euh, j'ai remonté assez le chat. Fais gaffe, tu redis meuf. Ah non, le problème c'est quand je disais gonzesse, c'est pas quand je dis meuf. Meuf, ça va quoi. Mm. Mm. Tu me fais rappeler aux oncosés. <laughs> bah toi, tu me rappelles Georges politiquement. Voilà. Allez, introduction. On va commencer après, le... parce que là c'était une introduction à l'introduction. C'était les quatre axiomes du début. C'est-à-dire si on est d'accord avec ça. Alors il a dit grandin. Il euh, y a une histoire, il y a une préhistoire, il y a une histoire. La préhistoire, c'est le développement des forces productives. Une fois qu'on a bien développé les forces productives, on peut en arriver à, à l'histoire. Maintenant qu'on va écrire l'histoire, il y a quoi Bon, il faut qu'on vive bien. Il faut la santé d'abord. La santé d'abord, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'écosystème, ça passe par tous ces trucs-là. Il faut qu'on soit en bonne santé. Ça, c'est le 2. Le 3, c'est maintenant, maintenant qu'il y a ça, euh, il faut qu'on ne soit pas subordonné. Il faut qu'on soit le moins subordonné possible. Ni à un capitaliste, ni à un État. Voilà, Il faut qu'on soit le moins subordonné possible, il faut pas qu'on ait peur, il faut pas que nos, nos vies soient entre les mains de, de la décision de quelques gens, euh, de l'arbitraire du pouvoir. Voilà, ça c'est le 3, donc une, la liberté politique. Et la quatrième, euh, évidemment, c'est la culture, l'éducation, il faut qu'on développe nos forces euh, un maximum. Voilà, ça c'est les quatre euh, euh, grands euh, petites idées avec lesquelles le livre s'ouvre. Ensuite, l'introduction. Quelle surprise Après la Covid. Il écrit là, hein, c'est pas moi, c'est lui. Ah, mais il le met entre guillemets. Après la Covid, plus rien ne devait être comme avant. Or, tout est pareil en pire. <laughs> Je fais Mélenchon. <laughs> Or, tout est pareil en pire. L'énormité du choc devait forcer, vous vous souvenez, le monde d'après, on nous en a fait des caisses sur le monde d'après. Euh, L'énormité du choc devait forcer les méditations les plus profondes, les reconsidérations d'ampleur, bref, renverser le monde. Vous vous souvenez, pendant le confinement, tout le monde était là. Je, re, je repense à la vie finalement, euh, est-ce que je changerai pas de taf Est-ce que j'irai pas vivre à la campagne Est-ce qu'on on recommencera jamais comme avant etc. Bon. Bah, il se maintient à l'identique et il va très bien, le monde, merci. Entendons, il va très bien pour Bezos, pour Musk, pour Gates, pour les GAFAM, etc. Toujours les mêmes. Pour les autres. Euh... Mais enfin, les autres n'ont jamais trop compté. Hein. Ça s'appelle le capitalisme. À un moment, faudrait s'en souvenir. Il le faudrait d'autant plus que ces manières de massacrer les autres ne cessent de s'enrichir. Il parle du capitalisme, hein, qui massacre les autres. Euh... Nous connaissions de longue date la manière salariale. Commencions à découvrir la manière climatique, et voici que la manière pandémique fait une entrée en scène fracassante. Là, il nous euh, explique euh, toutes les manières dont le capitalisme est en train de nous faire beaucoup de mal. D'un fracas paradoxal, euh, cependant. L'énormité du dégât est objective. En termes de nombre de malades et de morts, ça va sans dire, mais au moins autant dans les existences confinées de ceux qu'on appellerait à peine des biens portants. Ah, Il y en a qui disent qu'il vaut mieux que je, je coupe la caméra. Non, mais tu oh, tu dis des bêtises. Euh, énormité du dégât, donc. Mais conscience encore des plus flous de oh. énormité Donc on a conscience de l'énormité des dégâts, mais conscience encore des plus flous de ces causes. Or, celles-ci ne font aucun doute. Là, peut-être n'est pas tout le monde. Peut-être tout le monde dans le chat n'est pas d'accord. Peut-être que pour vous, tout ce qu'on traverse en ce moment, la crise, la crise pandémique, la crise climatique, pour vous, ça ne vient peut-être pas du capitalisme. J'avoue que des gens comme nous, comme Lordon, comme moi, ou comme pas mal d'autres, on a tendance à dire que c'est quand même beaucoup corrélé, hein, c'est quand même beaucoup lié. Donc, euh, énormité des dégâts, des dégâts donc d'accord, mais euh, conscience un peu plus floue de ces causes. Or, celles-ci ne font aucun doute. Détruisant la planète avec une obstination de brute, le capitalisme détruit les partages territoriaux des espèces, humains, animaux, virus. La cohabitation heureuse supposait les bonnes distances, celles-ci ont été abolies, puisque l'homme capitaliste. Revendique que tout lui appartienne et s'offre à son exploitation. Il s'ensuit quelques imprévus retours de manivelle. À en croire les chercheurs qui, depuis longtemps, réfléchissent à ces questions, celui de la Covid n'est que le premier et un simple échauffement en douceur avant d'autres plus sérieux. Putain, il dit vraiment la Covid. Ouh, il va m'agacer. Non, faut pas dire la Covid, Fredo, qu'est-ce que tu fais là Si elle est une condition nécessaire de la transformation des choses, la conscience claire des causalités est pourtant loin d'être suffisante. Déjà qu'on n'y est pas encore à la conscience claire des causalités. Quoique, quoique, je me souviens, on avait fait un épisode sur la convention climat, la convention citoyenne pour le, pour le climat, et on avait mis Nicolas Hulot dedans, Nicolas Hulot, ce qu'il avait dit devant les conventionnaires. Et il leur avait dit, euh, bon, la cause du problème de... de pourquoi aussi on n'y arrive pas Pourquoi on n'arrive pas à changer le truc Le problème, c'est un système qui exploite... c'est On l'a re regardé avec euh, Cotentin euh, cet après-midi, parce qu'on va reparler de la convention climat dans le, dans le prochain truc. mais Enfin bon, bref, pour voir ce qu'on en disait. Et... Euh... Et on avait mis l'extrait de Hulot qui disait, bon, il y a un truc... Il disait pas capitalisme, mais il disait un système qui exploite, un système qui s'allie, un système qui... machin. Donc même des gens comme Nicolas Hulot, qui sont pas franchement des marxistes radicaux, euh, en viennent à admettre que, bah oui, chez les écolos, ils, ils admettent que... Euh, Ok, c'est peut-être le capitalisme qui pose un problème, pour la simple raison qu'en effet, le capitalisme a décrété que tout, tout ce qui pouvait créer de la valeur, tout ce dont il pouvait tirer de la valeur, était euh, condamné à devenir marchandise. Voilà, il y a un devenir marchand du monde. Et euh, c'est sans limite. Euh, c'est sans limite. Et voilà. Et il faut de la croissance. Et s'il faut de la croissance, il bah, va falloir exploiter plus, euh, la, la planète notamment. Il va falloir aller jusqu'au bout de l'exploitation des hydrocarbures, etc. etc. Est-ce qu'il y aura les re-reconfinotes mmh, Je pense pas. Mmh, Salon Alors Bibida, tu m'envoies des trucs. Euh, je peux pas répondre à ça en live. Je verrai après. Ok. Alors, <laughs> si elle est une condition, non, ça on l'a dit. Euh, comprendre déjà que c'est le capitalisme. Mais je pense que ici merci merci Je pense que ici on est d'accord que c'est quand même un petit peu le capitalisme. hein euh, voilà, évitez de m'envoyer des DM, euh, de me parler en privé pendant que je stream, surtout pour me dire des trucs qui me sortent de ce que je fais, on verra après, quoi, on verra après. Il euh, arrive parfois... Ah oui, voilà, ah, bah, voilà, tiens, il en parle, justement. Ne parlons même pas de ceux qui ferment les écoutilles, mettent tous leurs efforts à ne pas... à, à... ce que cette conscience ne leur parvienne pas... Persisteront à tenir la pandémie pour un choc exogène, un coup du sort, comme il en arrive parfois. Ils s'esclafferont à l'idée que le capitalisme aurait quoi que ce soit à voir là-dedans. Vous imaginez la galère si en plus tous les médias étaient détenus par des gens qui ont un intérêt à nous dire que le capitalisme n'est pas un problème. Ça serait quand même un sacré problème. Ouais, ouais. Ça serait, ça serait dommage. Si ceux-là sont perdus et n'entendront jamais rien, le cas d'autres. Qui eux voient assez bien de quoi il y va, mais demeurent incapables d'en tirer quoi que ce soit de sérieux, n'est pas moins mystérieux. Je te conseille hein, hein, La Chauve-souris et le Capital aux Éditions La Fabrique. D'accord. Donc, euh, voilà, il y en a d'autres qui voient très bien que le problème c'est le capitalisme, mais qui ne savent pas quoi faire. Qui ne savent pas comment s'y prendre. Or, nous en arrivons à un point de menace sur l'humanité où il va falloir hâter le cas échéant, forcer à la conséquence. C'est-à-dire demander aux gens d'être conséquents. Bon, tu trouves que le problème c'est le capitalisme, et ben, bah, sois conséquent. On va jusqu'au bout de l'idée. Du coup, on fait le communisme, on est d'accord, parce qu'il n'y a pas d'autre chose de toute façon. Euh, la conséquence n'est pas davantage que de mettre l'une derrière l'autre deux idées qui s'appellent logiquement. Par exemple, des conclusions à la suite des prémices. Ça n'est pas davantage. Et pourtant c'est tellement demandé, semble-t-il. Il suffit de voir à gauche avec quel mélange de gracieux détours et d'acharnement toute une fraction d'intellectuels, de politiques, d'activistes et d'organisations s'y appliquent. En fait, on comprend un peu les raisons du refus d'obstacle. Hein. C'est que l'obstacle est haut. Plus exactement, il est triple. Dans la situation qui est la nôtre, en effet, la conséquence commande de se rendre à trois énoncés qui ne se négocient pas facilement. Qu'est-ce que c'est pour leur don être conséquent aujourd'hui de tirer les leçons de ce mécanisme de causalité et d'aller jusqu'au bout du truc Petit 1, le capitalisme est entré dans une phase où il détruit l'humanité. Par conséquent, l'humanité va avoir à choisir entre persévérer tout court et persévérer dans le capitalisme pour s'y éteindre. Petit 2. Jamais les capitalistes ne se rendront à leur responsabilité homicide, ni donc ne renonceront à la poursuite du ou de leur jeu les tours les plus sérieux de raisonnement seront déployés pour convaincre de la possibilité, de la nécessité même de continuer, les pires violences aussi s'il le faut, et de plus en plus il en faudra regarder l'indifférence avec laquelle 30 000 morts pendant la première vague. Et la deuxième vague, on a décidé de faire un peu autrement. Nos, notre dirigeant, notre, notre décideur, notre Macron génial, euh, nous a dit « Ah bah non, on, on va vivre avec le virus parce que, les, parce que Geoffroy Roux Bézieux, le, le patronat, le MEDEF, avait dit non on peut plus recouper le pays comme on a fait là il y aura pas de confinement vous les écoutiez cet été on a écouté du Geoffroy ou de Bézieux. il faut toujours écouter ce que disent les patrons parce que c'est toujours intéressant puis ça permet de prévoir ce que va faire Macron derrière et euh, il nous disait euh, on ne peut pas refaire un confinement comme on en avait fait euh, au début on a, bon ok sur le coup on se dit euh, d'accord on coupe tout parce que bon la santé admettons bon d'accord c'était un traumatisme aussi l'arrivée de la pandémie mais ensuite ils ont dit bon plus jamais ça c'est bon on a été cool on a donné plus jamais ça. Vous me maintenez les commerces ouverts, vous nous obligez pas au télétravail. 60 000 morts. Le bilan de, ce, de cette seconde vague qui n'est pas finie, c'est un bilan provisoire. Donc voyez à quel point il leur est facile de dire... Euh, non, euh, je veux dire, ils s'en foutent, ils ont pas de race, ils, feront, ils iront jusqu'au bout. C'est ça aussi qu'il faut en tirer comme conséquence. Jamais les capitalistes ne se rendront à leur responsabilité homicide. C'est le 2. Voilà. 70 000 maintenant on va arriver en tout cas dans ces eaux-là. Petit 3, il n'y a aucune solution de renversement, ni même de simple arraisonnement du capitalisme dans le cadre des institutions politiques de la démocratie, ou plutôt de ce qui se fait appeler ainsi. Seul un dégagement d'énergie politique phénoménal peut empêcher le capitalisme d'emmener l'humanité jusqu'au bout, un dégagement qui porte usuellement le nom de révolution. Voilà le troisième point, le troisième point les amis, la révolution. Alors quelle révolution Il peut y avoir différentes révolutions. Mais, en effet, c'est tellement bien implanté, profondément, jusque dans nos têtes, jusque dans les structures, dans les superstructures aussi, dans les médias, dans notre éducation, dans le capitalisme est là. Comment on, on dégage de ça sans un véritable mouvement d'arrachement ça veut pas la révolution, ça veut pas dire des fusils dans la rue. Hein. Ça peut, peut y avoir plein de sortes de révolutions. On peut y avoir des révolutions pacifiques. Euh, L'autre soir, je, je racontais euh, à ce chat euh, qui me disait bah, oui bah la révolution pacifique et moi je disais bah si. Euh... Je sais plus si c'était dans ce chat ou dans un autre chat d'ailleurs. Je crois que c'était je crois que c'était dans le chat de quelqu'un d'autre où j'étais. Euh, je dis regardez l'URSS quand elle s'est écroulée, euh, bah, c'était sous le coup d'une sorte de révolution un petit peu pacifique. C'est un moment où les élites n'y croient plus. Euh... Où le peuple a envie quand même de désobéir, euh, pas nécessairement en, en, en fusillant dans la rue euh, les, les, les flics au coin de la rue, mais envie en de désobéir. Et puis ça se. Et, et ça, se, ça se. Non, c'est pas dans le chat de Villani, arrêtez de dire des. <laughs> c'est pas vrai, c'est pas chez eux que je raconte des trucs comme ça. Chez eux, je fais le gentil. Et. Euh... <laughs> et. Euh, Qu'est-ce que je disais Bon, voilà. Il euh, y, y a des révolutions plus ou moins violentes. Je n'irai pas jusqu'à dire non violentes, parce qu'il y a toujours un peu de violence, mais. Euh, il faut que les bourgeois n'en puissent plus aussi. Euh, merci, Kinbald. Il y a des moments où, plutôt que d'exploser, de, il y a des moments où ça s'effondre. Voilà, ça s'effondre. Euh, c'est l'effondrement, c'est la révolution, c'est plein de trucs comme ça. Bon, des moments de rupture. Lui, il aime bien prendre révolution, mais il va sûrement, euh, euh, il va sûrement le justifier, son mot révolution. En tout cas, ça va demander une implication des populations, ça c'est certain. La position du présent ouvrage est que si comme n'hésite pas à le claironner le grand parti des propos euh, sans suite, la situation terrestre est bien à ce point inédite et de la dernière urgence, alors, à l'encontre des regards fuyants du même parti, il faut contempler ces énoncés bien en face. Alors le grand parti des propos sans suite, euh, je me demande si c'est Europe Écologie Les Verts ou le PS, là. Hum, hum. Je, me demande, je pense qu'il tape le PS, là. Et s'efforcer de le tenir pour en faire quelque chose. Et s'efforcer de les tenir pour en faire quelque chose. Quelque chose qui soit à la hauteur de l'urgence dont on dit à raison, mais, pas sans, mais sans conséquence, s'alarmer si fort. Or, c'est de cet impératif logique que le parti des propos sans suite et des regards fuyants cherche à se détourner à toute force. Et c'est à cet impératif logique qu'il faut le ramener. Bon. Je sais pas, c'est le PS, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis Petit aparté eschatologique. Euh, bon, en gros, il faut ramener les partis réformistes à un petit peu de vigueur révolutionnaire. Je pense que c'est un peu ça qu'il dit. Si vraiment si la planète court un grand danger, je pense qu'il pense aux écolos aussi. Hein. Si vraiment la, la planète court un grand danger, euh, mais soyez conséquents, soyez prêts. Ne nous faites pas du jadot. si vous croyez vraiment que la planète euh, euh, est à bout. Il est vrai que les trois obstacles en engendrent d'eux-mêmes un quatrième. Donc les trois obstacles, je les, je les rappelle. Petit 1, le capitalisme détruit l'humanité. Petit 2, jamais les capitalistes ne se rendront à leur responsabilité homicide. Petit 3, il n'y a aucune solution de renversement dans le cadre actuel. Donc il faut bousculer le cadre. Donc la révolution. Il est vrai que les trois obstacles en engendrent de même un quatrième. Sortir révolutionnairement du capitalisme, donc, mais pour entrer dans quoi Il suffit de poser communisme, comme antonyme de capitalisme, donc le contraire, pour qu'aussitôt s'abattent en avalanche les images historiques. Et le match est plié. Entre, d'une part, l'espoir de retarder un peu la montée des eaux, la suffocation et les pandémies, sans rien perdre de ces doudous marchands, ces iPhones, ces abonnements Netflix et ces SUV, sans oublier la possibilité que le capitalisme lui-même nous sauve, solutions décarbonées, voitures électriques, vaccins et antidotes. Entre tout ceci, d'une part, et d'autre part, le goulag. Voilà, on, est, on est pris en tenaille entre d'une part, bon, le capitalisme peut peut-être quand même nous sauver, et puis de toute façon on n'a pas envie de s'en passer, donc notre attachement au capitalisme, et d'autre part, le goulag, notre peur du communisme. Euh, voilà. Et donc du coup le choix est très vite fait. Hein. D'un côté il y a les iPhones, là, voilà, et de l'autre côté il y a le goulag. Bon, présenter les choses en ces termes est peut-être une manière d'indiquer la nature du combat politique à jouer. Plus exactement, d'une de ses dimensions, c'est un combat d'image. La fatalité historique du communisme est de n'avoir jamais eu lieu et pourtant d'avoir été grevé d'images désastreuses, à la place desquelles il faut mettre enfin des images de ce qu'il pourrait être lui réellement. Sortir du capitalisme demeurera un impensable tant que le communisme demeurera un infigurable ou un irrefigurable. Car le communisme ne peut pas être désirable seulement de ce que le capitalisme devient odieux. Je rappelle qu'il y a eu des moments où le capitalisme a été désirable, le, le communisme a été désirable. Il y a tout un tas d'ouvriers qui, dans les années 30, 40, 50, s'imaginaient que l'URSS était le paradis des ouvriers, parce qu'on leur disait ça, parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas les photos, mais euh, à coup de propagande et tout, l'URSS est arrivé à faire rêver les, les ouvriers de France à un moment où ils se disaient waouh. C'est vrai que là-bas, c'est les travailleurs qui ont la main. Il euh, n'y a pas de capitaliste là-bas. Waouh, ça doit être trop bien. Il y a les écoles, tout. Il y a des trucs gratuits, il y a les soins gratuits. A... Au moment où chez nous, il y avait même pas d'assurance pour les chômeurs. Tu prends le 1930, des, des, des moments comme ça de notre histoire, où euh, tu tombais malade, tu tombais malade, banique ta mère. T'es plus payé, t'es viré même. Bah, ils se disaient, waouh, le communisme, ça doit être quelque chose. Il y a des moments où on rêvait du communisme. Il y a des moments où le communisme a su être désirable. Et puis bon, rapport -coup de chef, etc. Euh... C'est pour ça qu'il dit refigurable et pas seulement infigurable. Ils ont envoyé un gars dans l'espace. Ah bah, alors ça, je peux te dire, ça, ça a fait rêver. Hein. Yuri Gagarine. Pourquoi aujourd'hui il y a, euh, je sais plus quelle agence machin qui s'appelle Spoutnik. Pourquoi le vaccin russe s'appelle Spoutnik? Parce que les communistes. Voilà, c'est le premier satellite lancé dans l'espace. Les communistes ont fait rêver avec l'espace d'ailleurs. Euh... Bref, se donner des figures. Donc. Euh, et s'il suffisait de se concentrer sur un plan envisageable en les ignorant Oui, bah ça marche pas trop d'ignorer des problèmes. <laughs> et si on fermait les yeux Et si on espérait très fort euh, en compilant, en compiler la consistance et puis le structurer, en élaborer la communication saine et enfin rendre le capitalisme structurellement obsolète aux yeux de tous et rendre cette proposition plus probante que jamais. Je sais pas tellement ce que tu veux dire parce que il y, y a des grands mots un peu les uns derrière les autres, mais moi-même je comprends pas en fait. Mais peut-être que c'est moi qui... Je comprends peut-être mieux le Lordon. Parce que ce que je parle déjà, j'ai fait LV1, mais... Mais du coup, dès qu'ils ont un truc qui marche, ils l'appellent sputnik C'est exactement ça. <laughs> c'est quoi le gros défaut du communisme à la ruse bah C'est que l'exploitation, au lieu d'être organisée par le capitaliste, par les capitalistes, elle est organisée par un État, euh, une caste d'une euh, bureaucratie euh, euh, qui elle-même n'est pas moins parasitaire que n'avaient pu l'être les capitalistes. Et les travailleurs sont pas toujours mieux traité que sous le capitalisme, Et donc voilà. Voilà, c'était quoi le problème de l'URSS Et puis un manque de liberté politique, évidemment, ça va de soi. Enfin, ça, c'est pas une des propriétés du capitalisme. Hein. Les libertés politiques ne vont pas de pair avec le capitalisme. Il faut aussi s'enlever cette idée-là de la tête. On peut tout à fait faire du capitalisme sans liberté politique. Et là, aujourd'hui, nos libertés politiques, d'ailleurs, sont en train de baisser. Hein. Sont en train d'être reniées euh, année après année. Donc voilà, mais ça, vous le savez comme moi. Mais non, mais c'est pas les anarchistes qui disaient ça de l'URSS. Hein. C'est les trotskistes. Hein. Ça empêche pas d'être communiste, d'être critique de l'URSS. Et ouais, les gens. Ching. Ou les communistes libertaires, d'ailleurs. C'est ça, c'est la phrase de Coluche le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est le contraire. Ouais, Mais c'était pas faux, dit comme ça, sur le ton de la boutade, mais c'était pas faux, quelque part. C'était pas les mêmes hommes, c'était pas pareil, mais enfin, il y a quand même une exploitation. Bref, on en est où, là voilà, on faut se donner des figures. Il faut se redonner des figures, il faut arriver à faire imaginer un capitalisme, euh, un, un communisme désirable. Ici, l'idée centrale, celle autour de laquelle s'ordonnent des figures possibles du communisme, est empruntée au travail de Bernard Friot. Tiens, tiens, tiens. Friot la nomme salaire à vie. Mais c'est un choix qui, s'il a pour lui de bonnes raisons, n'en a pas moins créé un nombre d'inutiles malentendus. Alors voilà, vous, vous doutez bien, le problème du salaire à vie, c'est qu'il faut expliquer 15 fois, et moi j'explique encore maintenant, je me retrouve à réexpliquer pourquoi c'est pas pareil, que le, que le revenu universel, qu'est-ce qu'il y a de... En gros, on n'arrive pas à saisir la dimension révolutionnaire du truc, parce que ça va avec plein d'autres trucs, en le ramenant juste à la question du salaire. Et donc du coup, salaire à vie, pour lui, c'est trompeur, pour, euh, pour l'ordon, c'est confus, lui, il préfère la garantie économique générale pourvu que le changement d'appellation ne fasse pas oublier la réalité de la paternité. Bon, en gros, il propose le salaire à vie, mais il propose de le rebrander en garantie économique générale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la vie, on aurait une garantie économique qui fait qu'on ne sera pas ni à la rue, ni euh, mort de faim, peu importe ce qu'on fait de notre vie. Voilà, c'est la garantie économique. Et à partir de ça, on va pouvoir déployer notre liberté. Ça, veut, ça ne va pas sans... Il y aura peut-être quelques contraintes, il y aura peut-être des trucs à faire, il faudra peut-être ramasser les poubelles, il y aura peut-être des trucs, mais on a ça. Et après, on organise notre vie euh, comme on veut. Et on travaille, surtout. On retrouve la maîtrise sur notre travail. Euh, bon. La garantie économique générale. Et un truc suffisant pour vivre, hein, pas un truc qui te laisse à crever la dalle et à quémander du boulot derrière. Euh, voilà. La GEG. -E la GEG. -E <laughs> bah, lui, il dit garantie économique générale. Ouais, la GEG. -E <laughs> bah, oui, c'est pas ouf comme ça. Le. <laughs> Le système de garantie. Euh, ah, peut-être qu'on peut, qu peut l'appeler le système de garantie économique général. Le SGEG, voilà, le système de garantie économique général a pour visée de nous libérer de deux maîtres fous, le marché et l'emploi capitaliste. Ça y est, ça me fatigue. Ça y est, je deviens débile. <coughs> Alors, c'est qui qui paye Bah oui, c'est qui qui paye À votre avis, c'est qui qui paye Du coup, c'est. Attendez, allons jusqu'au bout de la question. C'est qui qui paye C'est les capitalistes qui... Bah non, il n'y en a plus. Donc c'est pas les capitalistes, c'est qui qui paye Bah c'est notre travail, en fait, quelque part. Mais c'est payé autrement. L'idée de la cotisation, par exemple, vous voyez le... le... le. le... Oh, sinon, vous allez regarder mon, mon truc sur le salaire à vie, hein, c'était bien. Le... <laughs> il y a, il y a, euh, euh... Frédéric Lordon ne propose pas de supprimer la monnaie. Hein. Il y aurait toujours de la monnaie, il y aurait toujours du marché, euh, quelque part. Euh, ceci dit, il n'y aurait plus de propriété privée des, des moyens de production. Donc il y a toujours un marché, il y a toujours des choses qui sont produites, donc il y a toujours des biens, il y a toujours de la valeur qui est produite. Sauf qu'elle circule complètement différemment. Donc c'est qui qui paye C'est nous C'est nous qui nous payons, avec notre travail, avec le reste de ce qu'on fait, collectivement. Voilà, c'est qui qui paye C'est pas les capitalistes, en tout cas, vu qu'ils n'existent plus. « Le système de garantie économique générale a pour visée de nous libérer de deux maîtres fous, le marché et l'emploi. » Le Sgueg de l'ordon est incroyable. <laughs> non mais c'est bon, on va pas faire toute la soirée sur le zgeg, hein La bite à Griveaux, le zgeg de, de l'ordon. Je <laughs> sais pas s'il s'est rendu compte en l'écrivant, celle-là. Euh, bon. « Avec un remarquable pouvoir de concentration, mais aux innocents les mains pleines, un seul titre... » De, pro de presse récemment gl glanée résume à lui seul les tréfonds de l'aberration présente. Le marché automobile français a régressé en 2020 à son niveau de 1975. Relisons avec soin pour être sûr de bien comprendre. Produire beaucoup moins de voitures, c'est-à-dire beaucoup moins de petites machines ambulantes à cracher du CO2, au prix de beaucoup moins d'extraction, puis de déchets, n'est pas du tout un progrès. C'est même le contraire. Régresser. Hein, le marché automobile français a régressé en 2020 à son niveau de, 2000, de 1975. Régresser. Mais voici le pire. En fait, le plus vicieux. Ce qui, en réalité, devrait être tenu pour une excellente nouvelle, n'en est pas moins objectivement un désastre pour les salariés du secteur automobile. Un système d'ensemble qui lie de cette manière les deux événements, d'une part d'un soulagement pour l'environnement et d'autre part d'une catastrophe pour les salariés, qui est incapable de faire que l'un ne conduise pas à l'autre et vice versa un tel système en effet doit être dit vicieux c'est un truc qui serait bon on va le combattre pour la planète hein. parce que la logique capitaliste va dans ce sens là c'est le système du marché et de l'emploi capitaliste et c'est cela qu'il faut détruire à sa place la garantie économique générale Instaure la déconnexion de l'activité et du revenu. Mais je vais revenir sur cette histoire de paye parce que je vois que vous êtes encore là-dessus dans le c'est qui qui paye. Bon, va y avoir des entreprises, des collectifs de production, des entreprises. Elles, elles appartiendront plus à une seule personne. Hein. Reprenons le mec qui veut faire des chaises. Sinon, on peut aller. Euh, on a perdu la moitié du chat avec les, boîtes, les blagues sur les gags. Non, non, non. On reprend bien. Merci Nat Punch. Reprenons un cas concret. Tu veux faire des chaises. Tu veux, t as, t as vraiment un esprit d'entrepreneur. Euh, tu veux faire des chaises. Est-ce qu'il y a besoin de chaise Bon, ça se trouve, ça répond à un besoin. Bah, tu vas le voir. On va, on va, tu vas présenter ton projet aux caisses d'investissement. Dans le système capitaliste, si as pas de, Dans le système capitaliste, as deux possibilités. Soit as ton papa qui met du capital. Soit tu vas voir une banque, être fou un crédit. Mais bon, avoir un crédit si as pas de capital, etc. Bon, on voit qu'il y a déjà une difficulté d'accès à l'argent dans le système capitaliste. Qui fait que tu vas pas pouvoir lancer ton truc comme ça. Gaston Menuiserie. Voilà, tu veux lancer. Gaston Menuiserie, parce que tu veux faire des chaises. Euh, merci Vlados UBSN. Dans le système de, de, de Lordon et de Frio, tu irais voir la caisse d'investissement. C'est une espèce de banque. Contrairement aux banques, c'est pas de la propriété privée, ça. Il y en a, alors il y aurait des caisses d'investissement. Vous, vous doutez bien que pour les très grands projets, tu irais voir la caisse nationale d'investissement. Pour les plus petits projets, la caisse régionale d'investissement. Et pour les projets à l'échelle du quartier, tu irais voir la caisse. Euh, municipale d'investissement, les communales, voilà, la caisse communale d'investissement. Dedans, il y, euh, y a des professionnels de pas mal de secteurs, il y a des travailleurs, il y a des citoyens, des gens qui vivent dans la ville dans laquelle tu vis. Tu leur dis, il euh, y aura des économistes, voilà un truc mixte, paritaire. Il y aurait un peu de tout. Il n'y aurait pas de patron, vu que ça n'existe plus les patrons dans ce truc-là. Il y aurait des citoyens. Tu leur présentes ton petit dossier, tu dis, bon, regardez, tu arrives avec un truc que tu as déjà fait, par exemple, tu arrives avec ta chaise. Je dis regardez ce que je sais faire, tu montes ton bouc, Moi je sais faire ça. Est-ce que vous me donnez les moyens de le développer et d'en faire, euh, faire, un collectif de production où, où on va essayer de développer ça en plus grand Tu vas les voir et ils te disent, bah selon, euh, soit bah, attendez je suis désolé, il euh, y a une surproduction de chaises en ce moment, c'est peut-être pas le moment. Euh, ou alors ils vont te dire bah écoute, t'as besoin de combien 20 000 euros, bah, c'est pas beaucoup, bah, vas-y. Euh, ou alors tu veux acheter d'énormes machines, plein. Et tu te lances dans un truc pharaonique, et là on va peut-être te dire, bon écoute, c'est un peu énorme. Enfin bon, en tout cas, la différence, c'est que le critère principal euh, avant, dans le système capitaliste, c'est est-ce que ta merde, ça va être rentable Là, la caisse d'investissement va se poser la question, est-ce que ta merde, ça va être rentable Mais il va aussi se poser d'autres questions. Est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien pour la région Tiens, dans quel quartier tu veux t'installer Donc y a, ben voilà, on va, on va poser d'autres questions. Tiens, dans ce quartier-là, d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est vrai qu'il y a, y, a, y a des ah, gens salon, qui... Le salon, le salon. Tu pourrais prendre des jeunes en apprentissage, il y a un lycée professionnel juste à côté. Voilà, il y a d'autres, beaucoup d'autres paramètres qui pourraient rentrer en compte. Merci Gérard de Rivella. Euh, la bureaucratie. Mais écoutez, moi je... Non La bureaucratie, c'est si c'est toujours les mêmes. Si dans les caisses d'investissement ça tourne un peu, ou même, évidemment, s'il y a des élections, Voter pour ceux que vous aimez le plus dans la, dans la caisses d'investissement. Euh, merci, euh, le marron Critères sociaux, critères environnementaux, évidemment, évidemment, voilà. Bon, puis là, on va te donner du capital, on va dire, bon, bah, c'est bon, le truc était, euh, le truc était, oui, ça me paraît pas être un mauvais projet, tu fais tes chaises. Bon, tu fais tes chaises, euh, t'embauches même deux personnes, tu paieras pas leur salaire. L'équivalent de, de, tu vas dégager des bénéfices, et une part de ces bénéfices va aller à la caisse des salaires. Voilà, à la caisse des salaires. De la même manière qu'aujourd'hui, on paye des cotisations qui vont à la caisse primaire d'assurance maladie. Et lorsqu'il faut payer des soins, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, grâce aux cotisations, qui va payer pour vos soins. Et non, et c'est pas votre patron. C'est pas votre patron qui va payer pour vos soins et décider si ah, c'est peut-être un peu cher, un cancer. Non! On mutualise pour que ce soit devenu un droit. On a le droit à ça, à la caisse, c'est une assurance, elle est collective, etc. Bon, ben là, pareil pour les salaires. On va cotiser à la la petite boîte du gars va cotiser à la caisse salaire. Le gars de façon, lui, il touche son, il touche son salaire à vie, hein. lui-même, il va pas s'en mettre plein les poches avec son entreprise. Hein. Il va en tirer plein d'avantages. Déjà, il va donner des petits ordres, voilà. Euh, il va avoir, il va diriger une des boîtes dans le quartier. Au euh, Niveau tissu social, tout ça. Et puis surtout, il aimait faire des chaises. Bah là, on lui propose de faire des chaises, mais en plus grand. C'est déjà une belle satisfaction. Et puis, si l'entreprise marche bien, pourquoi pas imaginer à un moment une progression sur l'échelle du salaire à vie, de la garantie générale économique Ce sera pas la même pour tous, la garantie générale économique, bien que la question elle soit en débat. Est-ce qu'on file euh, 1800 balles à tout le monde, et puis ensuite, tu peux monter jusqu'à 4000 ou 6000 ou est-ce qu'on file 3000 à tout le monde, point. C'est une question qui se débat, moi je préfère euh, la marge de manœuvre que laisse l'idée de faire quand même des paliers. Parce que le mec, si sa boîte elle marche bien, il n'y a, a aucune raison qu'il ne retourne pas euh, quelques années plus tard euh, avec son dossier et dire « Regardez, ma boîte elle marche bien, j'ai même embauché encore plus de gens, euh, machin, tout ça. » Donc euh, du coup, euh, euh, je progresserai bien sur l'échelle des salaires. Et puis ces employés peuvent aller voir eux aussi la caisse des salaires et dire et, enfin, remplir leur petit dossier et dire euh, bah, Ça fait 4 ans que je bosse là, euh, on a fabriqué plein de chaises, et d'ailleurs, on a euh, moi aussi je veux grimper sur l'échelle des salaires, on va regarder, on va dire Ah oui, d'accord, bon, très bien, et tu progresses sur l'échelle des salaires. Mais le pognon, il vient d'où le, le pognon, il vient de la vente des chaises. Voilà qui paye les salaires. Sauf que ça part dans la caisse, et c'est la caisse qui paye. Voilà, j'espère que c'est clair cette idée. Du coup, quelle place pour l'autogestion des travailleurs chez Gaston Menuiserie Bah, je pense qu'en effet, il faut que les travailleurs aient leur mot à dire ah, ça, sur ça, le ça, développement ça, ça. de Gaston Menuiserie. Parce que Gaston, c'est pas un dieu non plus. Il a peut-être lancé le truc, Gaston, mais peut-être qu'il va prendre des mauvaises décisions et que ça serait pas mal que le collectif le rattrape en lui disant C'est peut-être pas une idée de ouf ça. Par contre, est-ce qu'il faut que tout le monde soit égalité dans la boîte Pareil, ça, c'est des modalités qu'on peut penser. Si le mec a vraiment lancé, c'est le porteur du projet. Il a pas de raison qu'il ait une voix au même titre que les trois mecs qu'il a employés et qu'il puisse mi être mis en minorité directe alors que c'est lui le, le patron. Mais vous voyez bien, euh, l'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas de chef. Va y avoir des chefs. Va y avoir des petits chefs. Va y avoir des décideurs. Mais ce qui change tout, c'est qu'il n'est pas propriétaire de la boîte. Il n'est pas propriétaire des moyens de production. Il va pas, d'un coup, euh, vendre tout, euh, saccager tout. Euh... Et puis surtout, il fait pas ça que pour le pognon. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dedans Mais le patron est payé par qui Mais par la caisse des salaires Et par son travail, du coup C'est pas clair hein, pour les gens, ça, cette histoire. Et comment tu vas convaincre les gens de faire des métiers de merde si tout le monde veut faire des chaises Ah bah ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Non mais si, ça c'est une vraie question. Euh, comment on les convainc de faire autre chose que des chaises alors déjà il y a plein, tout un tas de métiers qu'il s'agirait peut-être de repenser est-ce qu'il y, y a des métiers, est-ce que c'est vraiment des métiers par exemple est-ce que est-ce que Gaston Menuiserie va, en, va, va faire appel à une boîte de sous-traitance pour nettoyer ses ateliers par exemple ou est-ce que on pourrait pas dire que je suis désolé c'est les gens qui vont nettoyer leur atelier c'est fini, ça d'appeler une boîte de sous-traitance pour qu'il y ait une femme de 45 ans qui vienne se péter le dos à nettoyer votre bureau. Nettoyer votre putain de bureau tout seul. Il y a tout un tas de métiers comme ça où déjà on pourrait avancer. Hein. Euh, vous voyez, les corvées, voilà les corvées. Qui va ramasser les poubelles Bah voilà, bah pourquoi dans le quartier il n'y aurait pas un tour de ramassage de poubelles quand tu vis dans un quartier Plus personne ne voudra faire trader. <laughs> Ça fait déjà beaucoup de tâches nulles en moins à faire. C'est quand même beaucoup plus intéressant de fabriquer des chaises que d'aller nettoyer des bureaux à 4h du mat' avant que les cadres n'arrivent, etc. Peut-être que c'est aux cadres de nettoyer leur putain de bureau. Peut-être que de temps en temps, on pourrait prendre notre tour pour balayer dans notre commune, dans notre rue, euh, j'en sais rien, moi. Peut-être que c'est ça aussi, vivre ensemble. Hmm. J'ai entendu taper. J'espère que c'est pas à ma porte parce que je parle trop fort. J'ai pas l'impression. Mais c'est déjà arrivé en fait qu'on tape à ma porte pour dire vas-y, il est tard, moi je bosse demain. Mais j'avais de la musique là, je fais que parler. Parler normalement se fait pas trop de bruit. Oui, ou alors c'est la police. Non, là, non, ils font tac tac, ils disent police. <laughs> Ou alors tu surpayes les éboueurs. Oui, ça c'est une autre piste, c'est-à-dire tous les boulots que les gens ne veulent pas faire, l'idée c'est qu'ils te font progresser plus vite sur l'échelle des salaires. Tu fais ça un an, deux ans, trois ans, tu fais ça pendant ta jeunesse, pendant que tu es jeune, pendant que tu as de la force. Par exemple, il y a des boulots, je trouve ça abject qu'on fasse faire ça à des vieux. Hier, euh, je regardais un mec avec une souffleuse voilà, qui, était, qui était tout vieux et qui, euh, qui faisait, qui faisait employé de mairie, qui soufflait des, des trucs. Est-ce que c'est encore bien l'âge de faire ça Est-ce que c'est pas un truc que c'est aux jeunes de faire par exemple voilà, tu fais ça 2-3 ans, ça t'aide à, plutôt que de démarrer ta vie avec une garantie économique de base, tu la démarres avec un petit boost, parce que t'as fait ça un an. Ça peut être sympa aussi. Ouais, ce coup de flip, j'ai eu. <laughs> travaillons tous, travaillons moins. Pff. Je suis un jeune développeur, je développe tout seul dans mon coin un jeu qui se vend à 10 millions d'exemplaires. Exemple Minecraft. et eh bah ben, c'est très bien. Mais tu viendras pas milliardaire, hein. C'est ça le truc. Il y a plus de milliardaires. Il oh, a plus de milliardaires. C'est mauvais les milliardaires. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est pas le système de société qu'on veut. Ça n'apporte rien de bon les milliardaires. Merci Air Barbier qui dit yolo. Merci Mamène oh, salon, aussi pour son huitième mois d'abonnement. Il n'y aura plus de milliardaires. On peut plus se permettre en fait. C'est trop cher les milliardaires. On ne peut pas avoir des mecs qui. Euh, vous voyez, je vous rappelle le, le principe. Hein. Les salaires, ils viennent d'où Ils viennent de notre travail. Parce que euh, la valeur, elle est produite par notre travail, à tous. Donc euh, s'il y a un mec qui gagne 10 milliards, il les gagne sur quoi Bah il les gagne aussi sur notre travail. Est-ce qu'on peut se permettre, nous, collectivement, d'être aussi nombreux à bosser pour que monsieur gagne 10 milliards On ne va pas pouvoir se permettre ça euh, éternellement. Surtout qu'il va en faire quoi de ces 10 milliards Il va vouloir surconsommer, il va consommer plus que n'importe qui. Il va vouloir prendre l'avion, il va pouvoir faire machin. Est-ce qu'on a besoin de ça, là Est-ce qu'on a besoin de ce genre de parasite Est-ce qu'on a besoin de ce genre de super pollueur Est-ce qu'on a besoin de ce, ce genre d'accapareur ensuite il va, il va, ensuite, il va mourir. Il va devenir quoi de ces 10 milliards Il va les filer à son gosse Et ça va nous faire quoi, ça, comme société Une société où t'en as qui vont hériter de machin Tu vas recréer une so des castes Il faut pas qu'il y ait de milliardaires ils ont trop de pouvoir en plus. Dans une société qui nous, où on se pense tous politiquement égaux et semblables, euh, peut-être pas semblables, mais enfin au moins égaux, euh, est-ce que c'est normal qu'il y en ait qui vivent euh, dans un autre monde en fait Déconnectés Est-ce que c'est sain Et est-ce qu'ils sont utiles Regardez l'influence qu'ont aujourd'hui les milliardaires sur notre pays. Regardez ce qu'ils font, euh, les, les journaux qu'ils achètent, qui c'est qu'ils placent dedans, regardez les dégâts qu'ils font, regardez les lois qu'ils font passer, qui nous empêchent d'avancer, sur la loi climat, sur le machin. Les milliardaires, c'est nul. Il faut plus de milliardaires. Et tant pis si tu as développé un jeu qui vit, qui, qui fait... Alexei Pajitnov, vous croyez qu'il est milliardaire Le gars, il a développé Tetris. Il est pas milliardaire, parce que c'était en URSS. Eh <laughs> oui et que donc c'est le service euh, informatique de l'université de Moscou qui a eu pendant longtemps les droits de. Pour, parce que c'est absurde ça. Pourquoi ça lui appartient à lui, Tetris Pourquoi ça lui appartiendrait à lui Il a développé ça sur les ordinateurs de l'université. Avec un savoir-faire accumulé à l'université. Il a le seum. Bah évidemment qu'il a le seum. Dans une société capitaliste, c'est normal qu'il a le seum, il s'est fait niquer comparé aux autres. Mais dans une société, on peut plus se faire niquer comme ça, où on ne nique plus, où niquer les autres, c'est plus la priorité. Ça va, ça va, ça va. Merci Médicis pour ton 21e mois. Merci euh, Roalotte aussi. Mm. Voyez l'idée. Est-ce qu'il aurait pu faire Tetris, euh, voilà, s'il n'avait pas eu l'enseignement gratuit euh, de l'université de Moscou, euh, s'il n'avait pas eu voilà le matos, s'il n'avait pas eu le temps de faire ça Etc. Et Est-ce que c'est vraiment lui, Tetris Est-ce que c'est pas euh, des années de, de, de toute une culture euh, que c'est pas lui qui a créé, mais une culture de mathématiciens qui pensent comme ça La culture des mathématiciens et des informaticiens, c'est une culture commune, partagée. Euh, lui, il l'a orienté d'un certain sens, mais il n'a pas tout créé. Il a, il a capitalisé sur un. Voilà, il a, il a synthétisé, il en a tiré quelque chose. Pour le bénéfice de toute l'humanité, mais bah c'est formidable. Moi je connais son nom aujourd'hui Alexei Pagitnov. Je connais aucun de ses collègues. C'est déjà un sacré une sacrée gloire la postérité. Moi j'aimerais bien qu'on connaisse mon nom comme ça. Euh, salo. Salo, salo. Merci, Ura contre moi. Voilà, c'est déjà pas mal. Lordon a évoqué le statut de l'artiste auteur et le travail de Catin, tu l'as lu? Le travail de Catin. Qu'est-ce que tu veux dire C'est quelqu'un ça Ou du ou, 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 <laughs> pour un Usul qui durera mille ans. <laughs> On connaît déjà pas ton nom de ton vivant Usul, bah si seulement. Bah, vous connaissez Usul Voilà, moi j'aurai une petite postérité. Elle sera médiocre, mais il y aura peut-être des, des gens qui, quand ils feront une thèse sur dans, dans, dans 100 ans sur les premières années d'Internet, et spécialement l'Internet de gauche des années, voilà un tout petit sujet de merde, il tombera sur mon nom. C'est déjà ça comme postérité. Bon bah je prends. C'est déjà pas mal. Je serai pas milliardaire, hein, je serai pas milliardaire, mais bon. Est-ce qu'on continue le texte est-ce qu'on continue le texte Donc, euh, le système du marché et de l'emploi, voilà. Nanana. Donc, à sa place, à la place du système du marché et de l'emploi, la garantie économique... Du coup, je parle moins fort parce que euh, ça m'a fait peur, les bruits dans le couloir, là, même si ça tapait pas et à ma <laughs> J'ai eu peur. Euh, merci, euh, Noid753. Mais de toute façon, on se le dit, euh, taper à une porte, ça fait peur. Quand on tape à votre porte, ça fait peur, on est d'accord. Ça te fait une voix plus grave, plus radiophonique. Ouais. Bon, re reprenons. Hein, voilà, taper à la porte, ça fait super peur. Arrêtez de taper aux portes. Quand vous êtes devant chez votre pote, par exemple, pour pas lui faire trop peur, vous le bipez, vous l'appelez. Voilà, ça fait moins peur ça. Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est très France Culture cette nuit. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. A sa place, donc à la place du système de marché et d'emploi capitaliste, à sa place, la garantie économique générale instaure la déconnexion de l'activité et du revenu. La propriété collective d'usage après abolition de la propriété privée des moyens de production, la souveraineté des producteurs associés, la fermeture complète de la finance, donc la souveraineté des producteurs associés, vous voyez bien que c'est en gros que ceux qui produisent ceux qui les, les quatre là dans l'entreprise de, de chaise, il y, a, il y a Gaston, mais il y a aussi trois autres gars, ou meufs, on s'en fout. Euh, bah, ils sont souverains sur leur production. C'est-à-dire personne ne peut venir racheter l'entreprise et décider que maintenant ça va se passer autrement parce que quelqu'un a acheté le truc. Ça, ça n'existe plus. Si tu travailles dedans, tu as ton mot à dire. Même si c'est une fois de temps en temps, on peut pas être en AG permanente. Faut Il faut qu'il y ait quand même des, un peu un ordre, une discipline, un truc quand même. Bon, moi je suis... Voilà. Mais ça ne sera pas l'AG permanente, mais tout de même... De temps en temps, voilà, vous serez consulté, puis surtout personne ne peut venir prendre votre truc euh, au prétexte qu'il a du pognon et qu'il a investi et que maintenant c'est lui qui décide. Ok, Jean-Luc. Mais oui, non, mais pff, désolé. J'ai toujours été comme ça, moi, c'est pas, euh, pas récent. j'ai toujours... Enfin bon. euh, donc on y gagne quoi On y gagne aussi la fermeture complète de la finance, normal, vu que maintenant il y a le système de, des caisses, des caisses d'investissement qui sont politiques, où on décide politiquement de ce qu'on fait des ressources, plutôt que de laisser cette décision aux banques, aux capitalistes, etc., qui ont finalement euh, dirigent la production. Hein. Ils dirigent la production grâce à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas, euh, comme ça, euh, décider voilà, le virage euh, écologique, machin. Bah non, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont les usines, c'est eux qui ont les machins. Donc il faut les contraindre, donc c'est chiant, on est en négociation permanente, souvent ils ne veulent pas, etc. Merci, chef vautour. Euh... Donc voilà, la fermeture complète de la finance, un système fédéral de caisses pilotant la subvention des investissements et... Les décisions d'orientation de la division du travail. Voilà, ça c'est ce que je vous disais sur les caisses. Alors lui il parle d'un système fédéral. Moi j'imaginais en effet qu'il y ait plusieurs échelons l'échelon communal, l'échelon régional et puis l'échelon national. La division du travail, justement, c'est sans doute l'une des questions centrales dans toute cette affaire. Et en effet vous l'avez posé dans le chat la question. C'était bah oui mais qui sait qui va euh... voilà, ou qui sait qui va sortir les poubelles ou qui sait qui va euh... je sais pas quoi. Voilà. Euh... La division du travail, donc. C'est sans doute l'une des questions centrales dans toute cette affaire, l'une des moins posées aussi, en tout cas dans les secteurs de la gauche anticapitaliste qui ne regardent que les expériences d'autonomie. Non pas que celles-ci ne soient pas d'un grand intérêt, mais elles ne peuvent certainement pas suffire à soutenir seul un nouveau mode de production leurs petites expériences là les ad par exemple les ad bon c'est une zone autonome hein. c'est une zone à défendre mais c'est une zone autonome où les, les charges collectives sont euh, gérées collectivement etc mais ce qu'il faudrait pas quand même un petit peu un petit peu d'ordre ça peut pas être spontané on peut pas exiger la spontanéité ça va pas s'harmoniser comme ça d'ailleurs c'est les les, les les quiconque a vécu dans une coloc voit bien qu'à un moment ça roule pas magiquement Hein, euh, ça s'organise pas magiquement. Il y a toujours soit des gens qui bossent plus que d'autres, soit au bout d'un moment, bah faut faire un planning, faut faire des réunions, la réunion de la coloc où on dit bon ça par contre ça va pas quoi. Tu peux pas laisser te, ta vaisselle te barrer le matin. Bah oui mais je peux pas parce que je dois bosser machin. C'est pas grave vu que en échange je descends la poubelle. Ouais mais non mais la poubelle c'est une fois par, c'est une fois tous les trois jours. Ton bol c'est tous les matins. Moi ça me fait chier. Voilà. vous Voyez bon ça, ça la spontanéité même, même avec des gens de très bonne volonté, au bout d'un moment faut Peut-être organiser un petit peu. Euh, car c'est bien un mode de production qu'il s'agit de reconstruire, à la hauteur de notre désir matériel, lui-même rediscuté à la lumière de la menace qui pèse maintenant sur la planète, ou plutôt sur nous, sur la, sur nous, sur la planète. Vous voyez l'idée hein Donc il faut reconstruire ce mode de production qui fait quoi Comment on produit des choses et des services, euh, à la hauteur de notre désir matériel cest il ne faut pas non plus qu'on perde complètement en confort. On veut quand même des téléphones, donc il va falloir être à la hauteur de ça en termes d'organisation. Mais en même temps, cette hauteur, il faut même elle-même qu'on la revisite à la lumière de la menace qui pèse maintenant sur la planète. Donc, ok, on aura des téléphones, mais il faut peut-être penser à peut-être pas tous les ans. Voilà. Si on reprend l'exemple du téléphone, à la lumière aussi de nos habitudes anciennes, de ce que nous pouvons en abandonner et de ce que nous ne pouvons pas. De toute cette discussion, et d'autres encore, au moins aussi délicates, il résultera un certain niveau des forces productives adéquats à ce désir matériel raisonné, et une certaine manière de nous organiser à toutes les échelles, y compris macro-sociales, et là il insiste, il le met en italique, pour le soutenir, y compris macro-sociales, c'est-à-dire pas seulement au niveau de la commune, hein, y compris au niveau de, de ce qu'on pourrait appeler l'État, euh, enfin de la nation, de ce qu'on pourrait appeler la nation plutôt. Certaines traditions de pensée se perdant. Et la perspective révolutionnaire sortie depuis si longtemps de nos horizons, toute une partie de la gauche radicale a voulu penser le statut dans les communautés de petite taille, l'horizontalité et l'oubli de l'économie. L'économie devient le mal. Vous voyez, il y, y a plein de gens euh, qui, qui se disent oui, je suis à gauche. Euh, il faudrait abolir la monnaie. Il faudrait abolir l'économie. Tiens, le, tout le courant, euh, euh, le courant euh, un peu post-situationniste là, euh, tous ces gens qui font des grandes phrases abolissons l'économie. L'insurrection qui vient va abolir l'économie. Bon, euh, non, euh, l'économie, c'est comment on s'organise. On ne va pas abolir le comment on s'organise parce qu'il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'organise qu d'autant mieux qu'il va s'agir de produire euh, assez de, de biens et de services pour qu'on soit quand même un peu confort. Donc on va devoir s'organiser. On n'abolit pas l'économie. Il y aura de l'économie. L'économie, c'est n'est pas nécessairement l'économie capitaliste. Pensez à une économie communiste. Euh, mais l'économie, elle, ne nous oubliera pas. Et pour une excellente raison, elle consiste simplement en l'ensemble des manières dont nous faisons collectivement face à la nécessité de persévérer matériellement. Nous sortirons de l'économie capitaliste, mais certainement pas de l'économie tout court, dont les questions continueront de se poser à nous, et dont les réponses s'expriment dans des termes auxquels on n'échappera pas, force productive et division du travail notamment. La proposition du présent ouvrage tient qu'il ait des possibilités de manipuler ces termes d'une manière qui laisse toute leur chance aux puissances de la vie humaine. Il dit même dans ce cadre-là, on peut quand même arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'il reste beaucoup de pages d'ici la fin de l'intro bah, Du coup, on va juste finir l'intro, hein, parce qu'il est déjà 23h52, moi je fatigue un petit peu, puis on a déjà bien discuté, hein, je commence à être à bout de salive. Mais c'est une bonne introduction, je pense, pour rentrer dans le bouquin. Usuellement, la sociologie vit ce petit drame que chacun voit les choses du monde à sa porte. Notamment les urgences. Par exemple, pour le bourgeois urbain à conscience, l'urgence, c'est la planète. Pour certains gilets jaunes, c'était plutôt de trouver de quoi manger dans les deux jours. À la violence avec laquelle la crise économique Covid va cogner, ce genre-là d'urgence, déjà bien installé, est promis à une extension foudroyante. Le nombre des personnes précipitées dans l'angoisse du lendemain, certain d'exploser. On pensait la misère un phénomène tout à fait regrettable mais réservé aux marges, dont par conséquent on pouvait se désintéresser après avoir offert une émotion. Mais la fiction des marges se met à souffrir quand des pans entiers de la société s'apprêtent à basculer dans les soupes populaires, Emmaüs et les restos du cœur. Littéralement parlant, elle devient une autre société par là peut-être prête à envisager d'autres choses. Eh oui, la pauvreté de la marge, c'est autre chose que la pauvreté de masse. En tout cas, à avoir les oreilles différemment orientées. Quand l'angoisse des lendemains devient ravageuse au point de faire douter de la subsistance quotidienne, voire du simple fait d'avoir un toit, l'écoute se modifie. L'idée de la tyrannie capitaliste, celle du marché qui peut naufrager d'un coup un secteur entier, et celle de l'emploi qui ont en fait toujours payer les pots cassés aux salariés, cette idée peut recevoir une attention nouvelle. Il ne reste alors qu'à enchaîner logiquement d'une première idée à une deuxième, etc. La monnaie, ça sert à acheter des de marchandises, or c'est bien cette dernière qu'il faut faire disparaître. La marchandise On aura besoin de marchandises, enfin de... de, de, de oui, de choses qu'on s'échange contre d'autres choses, etc. Et le, la monnaie n'est jamais qu'une un, qu médiation, quelque chose au milieu. Le problème, c'est quand l'accumulation de monnaie devient une fin en soi. Mais ça, c'est le système capitaliste, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, la monnaie, ça servira à fluidifier les échanges. Parce qu'on peut pas faire du troc. Voilà. Notamment parce qu'il y aura division du travail. Parce qu'on va pas payer notre coiffeur en botte de... En botte de, 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 de. Enfin, voilà, vous voyez l'idée, quoi. Faut qu Il Faut qu'il y ait une médiation pour signifier la valeur. Pour peu que les inconséquents ne se mettent pas en travers... On les reconnaît à ce que eux-mêmes, bien installés, et quoique allant répétant sans cesse qu'il sera bientôt trop tard, ils pensent fondamentalement avoir encore le temps. Celui de faire durer encore un peu un mode de vie qui, somme toute, leur réussit assez bien. Tu me déçois. Parles-en à Bolshevik à l'occasion. Bolshevik est complètement d'accord avec moi. Hein. Il n'y a vraiment une, même pas une feuille de papier à cigarette entre ce que je pense sur la question et ce que pense et Geek sur la question, même s'il a cité Greber. Mais bon. Euh... Donc les, ceux qui veulent pas changer de mode de vie, ceux qui veulent faire durer euh, ce truc-là, c'est à eux, et à leur tour dilatoire, que ce livre voudrait couper la route, pour les forcer à regarder. Le capitalisme nous détruit, il faut détruire le capitalisme. Il n'y a pas d'échappatoire, les fausses solutions sont fausses. Et là il s'adresse particulièrement voilà, aux écolos euh, qui veulent pas aller jusqu'à euh, un renversement du capitalisme, aux gens de gauche euh, qui trouvent que euh, euh, oui, enfin bon, pas trop dur, pas trop fort, euh, pas maintenant, voilà. Mais la sociologie qui donc a ses petits drames a aussi ses petits miracles. A la faveur de la crise Covid et de si, f... et si différentes qu'elle soit, les deux urgences, celle de la planète, bientôt il sera trop tard, mais on a quand même un peu le temps, et celle de devoir manger, qui elle n'attend pas, euh, pourrait bien se trouver à, trouver à se rencontrer. Et la seconde question, pourquoi ne pas envisager une société basée sur des tickets donnant le droit à un certain nombre de biens de consommation par personne mais parce que ça nous enlève une certaine liberté, y compris celle de choisir ce qu'on fait de, 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 de ce qu'on gagne. Puis ça, on fera rêver personne avec des tickets de rationnement, hein. ça, ça c'est... <laughs> je vous jure, hein. ça, ça fera pas rêver grand monde. Euh, Peut-être faudrait-il songer à faire quelque chose de ces retrouvailles d'urgence que tout sépare d'ordinaire. Donc la ret les retrouvailles entre euh, euh, fin du monde et fin du mois. Euh, on dira que les rapprochements ont déjà été esquissés. Fin du monde, fin, fin du mois, même combat. Mais, dans une certaine lecture au moins, dont il y a lieu de craindre qu'elle soit la plus fréquente, la formule même trahit ses impensées. La fin du mois, c'est le salaire. Et le salaire, c'est l'emploi capitaliste. On comprend qu'on s'est mis à la recherche de la solution qui va simultanément sauver le monde de la destruction et remettre à flot le salaire capitaliste. C'est-à-dire empêcher la fin du monde, mais depuis le capitalisme. Bref. Et sauver le monde et relancer le capitalisme. Ou, plus ramasser encore, sauver le monde capitaliste, finalement. Si tel est bien le projet, il est une contradiction dans les termes. Bien sûr, tout le barnum de la transition est là pour nous convaincre du contraire. On va transitionner, mais à l'intérieur du capitalisme, hein, sous-entendu. Et tout ira bien. La conception du rapprochement des urgences développée ici tient que nous sommes arrivés au point où il n'y a plus de transition que par le dehors, c'est-à-dire de transition vers autre chose que le capitalisme, et que la conjonction de la planète dévastée, des pandémies qui suivent de cette dévastation, et des massacres sociaux qui suivent à leur tour des pandémies, crée pour la première fois peut-être les conditions d'une saisie synthétique du problème, ainsi qu'une idée plus juste du type de transition qu'il appelle. Ce n'est pas tant l'aspiration à la transition, la grande, qui depuis longtemps a manqué qu'une idée de sa destination. Attends, attends, je comprends rien à la phrase là. Ce n'est pas, ce n'est pas tant l'aspiration à la transition qui depuis longtemps a manqué qu'une idée de sa. Ah oui, ce n'est pas tant l'aspiration à la transition qui depuis longtemps a manqué qu'une idée de sa destination. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent changer quelque chose, euh, transitionner, mais euh, peut-être ce qui nous manquait, c'est bah oui, mais on transitionne vers quoi Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à, à faire des changements de vie, euh, etc. Est-ce qu'on change collectivement Est-ce qu'on avance Mais vers quoi Voilà, ça, ça nous manquait ça. Bah vers quoi Vers le communisme, évidemment. Le moment, à l'évidence particulier que nous vivons, n'est pas le plus mal choisi pour contribuer à en former une et à la dire, ou plutôt à la montrer. D'où l'idée de figure du communisme. Donc ce que va s'employer à faire Frédéric Lordon, c'est à nous montrer tout ce qu'on pourrait faire, à nous montrer comment on pourrait faire du communisme. Oui, c'est un peu un pamphlet anti-jado, t'as pas tort. Euh, Punk-actu. Il y, y a beaucoup de ça. En effet. Post-scriptum, une partie des textes qui constituent ce livre a été publié entre le printemps et l'été 2020 sur le blog La Pompe à Finance du Monde Diplo avec le concours précieux, euh, compétent et amical de Thibaut Henton, Guillaume Barrou, également les lectures de Serge Alimi, Pierre Rimbert et Sandra Lucbert. Selon la formule consacrée, la responsabilité du produit final n'appartient qu'à moi. C'est gros comment le livre Bon, c'est pas, très... pas très gros. 270 pages. 270 pages, c'est pas 600 pages. C'est pas rien. C'est pas trois personnes. Hein c'est une majorité de gens. Qui... C'est une majorité de gens qui décident. Voilà, c'est ça. Pouh Quelle est la place de l'héritage dans ce système Il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'héritage. Donne-moi un mois pour décoder. Il est à combien Je suis fauché. Ouh, ça je sais pas. Je ne me rappelle plus, mais il doit bien être à 17 euros, je dirais. 13 euros. 13 euros. Ah bah tu vois, j'aurais dit plus. 13 euros, c'est pas tant que ça. J'avais peur que ce soit 20 balles. Mais non, c'est un peu moins. Bon bah voilà. L'usule hein. est tellement déconnecté. Il me semble pas, moi. J'aurais dit plus, tu l'as pas payé, si je l'ai payé, mais je me rappelais plus. il y en a qui font une soirée à côté. C'est peut-être là-bas qu'il faudrait aller taper quand même. Moi je voudrais pas les balancer, mais. Et merci pour cette lecture. Bah voilà. Hein, moi je fatigue, donc je vais pas, euh, je vais pas pousser plus que ça. Ah hein, ouais, ça gueule dehors. Mais allez les emmerder, euh, eux, hein. C'est quoi ces gens-là et le confinement, alors ils croient que c'est la fête. Pas d'héritage dans une société idéale, ça me semble ok. Mais, euh. Bah attendez. Ah, et, pas d'héritage pas dans une société idéale, ça me semble ok. Bah oui, surtout si euh, de toute façon tu as de quoi vivre. Donc ça, c'est pas une responsabilité qu'ont les parents, de léguer un truc pour que tes gamins puissent partir dans la vie. Euh, mais j'avoue que quand on a des enfants, on a envie de leur laisser quelque chose pour leur vie après nous. Enfin, c'est sûrement un comportement totalement lié à notre société. Bah, tu pourrais tout à fait leur laisser euh, des chaises, des belles chaises, des meubles, des lettres, des tableaux. Bien sûr que tu peux leur laisser des trucs. Pas du pognon. Pas du pognon. Pas, pas, pas quoi que ce soit qui pourrait euh, voilà créer des... Mais oui, la suppression de l'héritage, c'est la base, bien sûr. Même la maison de famille, tu peux imaginer que la maison, bon bah euh, les gamins habitent dans la maison après, je sais pas. D'ailleurs, euh, ça ne supprime pas la propriété, mais ce serait une propriété d'usage, y compris pour la maison, voilà. Ta maison, tant que tu habites dedans, elle est à toi, voilà. Et puis bah pourquoi on pourrait imaginer qu'en effet tu puisses transmettre ta maison euh, aux enfants d'après Ça serait pas, ça serait pas, serait pas absurde. On peut leur laisser une bonne éducation, très bien vu également, oui. On peut leur laisser un goût, un, un goût, un amour des lettres, un amour des belles choses le service à tête de grand-mère évidemment ton compte steam voilà <laughs> tu peux laisser ton compte steam j'imagine qu'on peut pas vendre sa maison mais pourquoi pas on peut pas louer sa maison mais on pourrait la vendre Il y aurait un droit au logement évidemment, hein, mais euh, pourquoi pas imaginer une partie de l'immobilier euh, où on puisse évidemment bouger, acheter une maison. Voilà, ça c'est pas ça c'est pas exclu non plus. Laisser des photos de famille plutôt qu'une villa sur la Côte d'Azur. Voilà. Est-ce qu'on laisse les gens acheter plusieurs biens immobiliers Bah non. Pourquoi ils en auraient besoin Ils habitent qu'à un seul endroit. Puis surtout, il n'y a pas le droit de louer. Propriété d'usage, mais pas propriété euh, d'usure. Hein. Pas propriété... Euh, merde, c'est quoi l'inverse d'usage Je ne sais plus. On ne vit plus comme ça. Ça ne marche plus. Si tout le monde veut la même maison, bah écoute, priorité à ceux qui sont déjà dedans. Puis sinon, ils feront un dossier. Comme aujourd'hui dans les HLM, tu fais un dossier, puis voilà, tu es en haut de la pile, tu passes. Lucrative, merci. <laughs> merci, la propriété lucrative. Exactement. On fait comment pour les vacances bah, Il y en avait qui voulaient se supprimer la monnaie, qui voulaient qu'on échange tout avec des tickets ou je sais pas quoi. Alors t'imagines, si on a des tickets vacances, alors tout le monde va avoir les mêmes vacances ou... Non, a le droit à pas grand chose. Bon moi avec mon avec mon forfait vacances j'ai le droit à temps. Euh, du coup je vais euh, aller en Grèce vu que je ne suis pas allé pendant deux ans. J'ai accumulé sur autant de tickets vacances pour ça. Non c'est casse couille Mais vous ferez ce que vous voulez de votre argent. Sinon c'est relou quand même. Je suis instructif sur une nouvelle manière de voir notre vie. Je regarderai à nouveau le replay, ça fait réfléchir. Mais c'est le but, c'est que ça fasse un peu réfléchir. Il y en a qui disent « Oh, mais t'étais complètement déconnecté. » Ou alors des gens qui vont dire « Mais t'es pas assez radical. » Mais en tout cas, bon, euh, frio Lordon et moi, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et Bolshevik aussi, n'essayez pas de me ramener Bolshevik de votre côté quand ah, il n'y est pas. Salon, salon. Ça, c'était faux. Merci Darkrozak. Darkrozak. C'est infaisable, mais intéressant. Bah écoute, si tu, si tu dis que c'est infaisable, tu, tu dois avoir une expertise particulière sur la question, tu dois mieux connaître les sociétés humaines, savoir comment ça marche. Ou alors peut-être que tu connais mieux la nature humaine. Je ne sais comment. Peut-être avec des pouvoirs psychiques, euh, médiumniques. Tu sais de quoi en est fait notre essence profonde. Tu sais tout ce qui est en nous irréductible, qu'on ne saurait défaire, et qui ne pourrait être modifié. C'est possible, c'est possible, moi je sais pas. Bah va peut-être falloir aussi revoir nos voyages. Est-ce qu'on prend l'avion pour aller en Inde, par exemple? Voilà, tu vois, me, Monsieur Toubélix qui dit par contre le voyage s'interroge, je trouve. Voyager dans le sens de consommation de culture, exemple, j'ai fait l'Inde. Tu as fait l'Inde Waouh Si on peut pas louer, comment se loger en vacances mais parce que c'est pas grave, il y a d'autres endroits qui loueront euh, des trucs. Euh, tu, peux, tu peux imaginer une propriété qui loue des endroits pour les vacances. Et c'est une entreprise possédée par les gens d'ailleurs qui vivent là, et qui choisissent de consacrer tel bâtiment, tel bâtiment à l'accueil des touristes, et voilà. Ça veut pas dire qu'ils possèdent en leur nom le truc, c'est une coopérative. Et tout ce qu'ils vont dégager va d'ailleurs aller dans la caisse des salaires, etc. Hmm. Une ville peut louer, voilà, exactement. Un hôtel autogéré, absolument. Il n'y aura plus d'Airbnb, par contre. Hein. Ça, Airbnb, ça dégage. On pourrait appeler ça un hôtel, par exemple. <laughs> oui, c'est ça. Mais, euh, par exemple, les campings municipaux. Ça existe encore, les campings municipaux. Il n'y a pas que des campings privés, il y a des campings qui appartiennent à des communes. Nationaliser les hôtels. Bah non, on ne va pas les nationaliser. Le mec offre son prime à Usul pour l'insulter. Ah, il y a eu ça Bah, ben, j'ai pas vu. Ah non, tu veux dire, il y a quelqu'un avec une petite étoile qui, qui gueulait Oui, ça, ça arrive. Pour l'héritage, il y a une différence entre rien, un peu et beaucoup trop. Par exemple, les parents qui ont bossé toute leur vie pour léguer un morceau de terre à une petite maison, c'est pas Bernard Arnault, non Mais on pourra toujours léguer un morceau de terre à une petite maison, j'imagine. Et puis moi j'aime bien le... qui a bossé toute leur vie. Mais tout le monde bosse toute sa vie mon grand. Tout le monde. Et il et, n'y et, a pas grand monde qui peut par contre léguer des héritages extraordinaires, etc. Donc l'argument de bosser toute la vie, il y a plein de gens qui bossent toute leur vie et qui n'ont rien à léguer à leurs enfants. Oui tout le monde bosse toute sa vie. Mais. Donc, or, j'en suis mais rien. <laughs> j'ai pas voyagé en Inde, c'est le verbe faire dans cette phrase qui démontre comment le voyage, on consomme. Ah oui, d'accord, tu, tu disais, toi, t'as pas fait l'Inde, mais c'était l'expression, le, ouais, j'ai fait l'Inde. Oui, non, il faudra repenser clairement aussi comment on voyage, ça, c'est sûr, oui. de toute façon. Je, il, faudrait, il faudrait déjà, bon, voilà, les avions, tout ça, il repenser aussi tout ça, hein, le trafic aérien. Euh, Est-ce que c'était une bonne chose que le prix des avions baisse, le prix des, le prix des vols baisse Est-ce que c'était une vraie bonne chose Salon finalement. Merci Lazare tout. C'est hallucinant comment l'héritage ça peut trigger immédiatement les gens. Oui, c'est vrai, oui, oui. Bon, et je vais vous laisser là, moi je fatigue, ça fait 1h57 que je stream, voilà, c'était l'after, j'espère que vous avez apprécié particulièrement le le, 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 le live de Bolshevik là avec Philippe Poutou, c'était sympa, donc là c'était une petite continuation de qu'est-ce qu'on fait après, je suis pas sûr que Philippe Poutou ait proposé, euh, enfin je, moi je m'en souviens plus, mais en même temps il y a des moments où j'écoutais moins que d'autres, je suis pas sûr que Philippe Poutou ait parlé de communisme, alors qu'il est rentré au NPA à un moment où... Euh, où le NPA, justement, s'appelait la Ligue Communiste Révolutionnaire. Et est-ce qu'il vaut mieux être communiste ou Depuis, le parti est devenu le nouveau parti anticapitaliste. Donc on sait ce contre quoi on est, mais on a parfois du mal à dire ce pourquoi on est. Et c'était peut-être un peu ça le sens de, de ce live. Donc moi, je suis pour le communisme. Et euh, ben je l'ai déjà dit, je le redis, voilà, c'est le meilleur plan. Il n'y a plus qu'à. Merci. Au revoir. Qui c'est qui stream là Soirée nanar, bof, bof. Euh, Thomas Erquet qui fait un wiki quiz solo. Ah, il fait un quiz, tiens, voilà, un quiz. Je vous envoyais sur le quiz avec Thomas Erquet. voilà. Il a pas grand monde, je sais pas. Bon, Qu'est-ce qu'il fait, Nota Bene Il a un peu plus. Oh, il monte des Legos. Oh, je l'aime beaucoup, hein, mais les Legos, je m'en fous un peu, quoi. Euh, allez, je lance un raid chez euh, Thomas. Voilà. Paf, je vous envoie là-bas. Euh, moi, je vais me reposer. J'ai tournage demain matin. Et encore le mec de TPMP. <laughs> Ça, c'était pour ceux qui étaient là cet après-midi. Euh, où j'ai choc un peu à dire Bah, tiens, comment il s'appelait le mec de TPMP cet après-midi Il y avait un mec qui avait une chaîne. Il, avait... il marquait journaliste. Euh... Euh, comment il s'appelait ce gars et il était apparemment à TPMP, LCI, je sais pas quoi. Et, euh, et tout le monde m'a dit... Ah, Moro, Thierry Moro, voilà. Thierry Moro. Et moi, je connaissais pas et tout le monde dans le chat me dit mais non, il pue du cul, lui, surtout pas, il est horrible. Euh, c'est vraiment une grosse merde, c'est une turbo-merde. Je reçois des, des, des messages en chat qui me disent... Enfin, des messages euh, euh, pour me dire que c'est une grosse merde. Enfin, on, du coup, on n'a pas Raid Thierry Moro. Mais euh, bon, là, voilà. Télépoche, ah, il a fait Télépoche aussi. Les gens en ont beaucoup rajouté, je crois. C'est possible, c'est possible, je ne sais pas. Allez, ciao, moi je vous laisse là. Et euh... à lundi prochain. Je crois qu'il n'y aura rien entre-temps. Il me semble. Enfin, je suis libre de changer d'avis. Voilà. Ciao. Et je coupe le stade.